La séance est ouverte. Bonjour à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Et j'appelle maintenant les articles du projet de loi. Nous sommes sur l'article liminaire avec des premiers inscrits par groupe politique. Pour le groupe du Rassemblement national et pour 2 minutes, Madame Joëlle Mélin. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet article liminaire est devenu obligatoire depuis la loi organique de 2022. Et en fait, il correspond à un usage jusqu'à présent réservé au bilan prévisionnel du secteur privé. Il est destiné, là aussi ordinairement, à donner confiance aux investisseurs, aux actionnaires ou aux banques. En l'espèce, ce prévisionnel est destiné à rassurer, mais qui ? Les Français ? Sûrement pas. Car le contenu du texte prouve que s'il n'est pas possible face à l'état de que cela n'est pas possible face à l'état de notre système de santé de ville avec ses déserts médicaux et maintenant ses déserts pharmaceutiques, le tiers de nos hôpitaux en faillite, le taux de chômage chronique, le niveau de pension qui stagne et la dénatalité persistante. Alors, qui voulez-vous rassurer ? Les investisseurs qui lorgnent sur le marché de la santé comme sur celui du troisième âge, voire même sur le patrimoine bâti de la sécurité sociale, mais aussi les agences de notation et la BCE qui, en sous-main, guident vos choix les plus insensés. Alors, nous n'avons aucune raison pour nous d'accueillir favorablement ce photomontage de l'article liminaire. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LFI, je ne vois pas Monsieur Clouet. Bon. Monsieur Pétavy, pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous y voilà. Cet article liminaire n'est qu'une photographie. Et une photographie qui entérine les trajectoires d'austérité fixées avec le 49.3 d'il y a quelques semaines maintenant, en LPFP, qui donc donne pour trajectoire donc, les 22% enfin point de PIB donc jusqu'en 2027. Et quand une photo n'est pas bonne, eh bien on la supprime. Alors j'entends déjà vos protestations, mais dès lors que les parlementaires ont la compétence pour rejeter un texte, ils ont la compétence d'en supprimer une disposition, qu'elle soit visée informative ou non. Et de surcroît, si l'information fournie s'inscrit dans une trajectoire financière qui a été sous-évaluée et à laquelle on ne souscrit pas, dans ce cas-là, effectivement, nous en demandons la suppression. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe GDR, Monsieur Daréville. Merci, Monsieur le Président. Moi, d'abord, je voudrais commencer en vous disant que je suis très heureux de commencer l'examen de ce texte, que nous puissions prendre le temps d'échanger sur ces enjeux important de la santé, de la protection sociale, en espérant que cela dure. Ici, cet article liminaire, en effet, constitue une sorte de prévision de dépenses, de recettes et de soldes des administrations de sécurité sociale pour les années 2023-2024. C'est une vague photographie. Elle est faite pour essayer de donner des gages à la Commission européenne et de lui montrer qu'on a bien respecté les règles très discutables, finalement, qui existent à l'échelle européenne et auxquelles nous avons contribué. Et en réalité, je voudrais simplement profiter de cette intervention liminaire pour dire, évidemment, non seulement qu'on peut s'interroger sur le prix coûteux de ce léger excédent présenté, et du solde positif, plus exactement, qui redevient positif, le prix social, le prix sanitaire. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que dans la globalité de cette photographie, il y a les comptes de l'Agirc-Arrco, Monsieur le Ministre, et que une des contributions de l'Agirc-Arrco, puisque vous souhaitez des contributions de l'Agirc-Arrco, visiblement, c'est de présenter des comptes qui soient améliorés en étant intégrés dans la photographie globale. Ce serait la première chose qu'il faudrait reconnaître sur l'Agirc-Arrco. Pour le reste, je vous avoue,
J'entends des bruits médiatiques selon lesquels le gouvernement aurait reculé sur ses intentions. En réalité, ce que vous nous avez dit hier, c'est que vous n'avez pas reculé. Vous souhaitez toujours récupérer le milliard que vous avez inscrit quelque part dans ce texte de loi, dans la logique de ce texte de loi. Et donc, nous continuons de contester cette ponction sur les cotisations qui sont faites pour alimenter les pensions de retraite complémentaires. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, monsieur Bazin. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs thématiques, mes chers collègues, nous voici à l'examen de cet article liminaire prévu par la loi organique. Nous avons besoin d'un article liminaire. Alors, il a été dit tout à l'heure que cet article, d'une certaine manière, serait qu'une vision privée. Je ne le crois pas. Je crois que c'est important d'avoir une vision globale sur l'ensemble des administrations de sécurité sociale, parce que cette photographie, et d'ailleurs, c'est peut-être un des points désaccord par rapport à la vision qui était celle des excédents de certaines caisses, d'un point de vue européen, d'un point de vue maastrichtien, il y a un seul compte, d'une certaine manière. Et donc, les excédents des uns, je pense à l'AGIR Carco, viennent compenser d'une certaine manière les déficits des autres. Et je pense notamment aux caisses en extinction. Il n'y a pas besoin d'effectuer de transfert puisqu'on a ce solde qui nous montre si on est positif ou négatif. On commence par ce premier article liminaire. Je forme le vœu qu'on puisse débattre de l'ensemble des articles à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale avant que vous puissiez engager votre responsabilité si c'est votre choix. Vous avez évoqué hier, et je crois que c'est important dans la vision des comptes, qu'on devrait arriver à 1 milliard, 1,2 milliard d'excédents au niveau de l'AGIR Carco en raison de la réforme qui a été adoptée au printemps dernier. Ce 1 milliard, 1,2 milliard, vous pensez qu'aux recettes, mais il y a des dépenses nouvelles. Et en fait, le taux de rendement, le rendement brut, c'est 1 milliard, 1,2 milliard. Oui, mais ce n'est pas le rendement net. Puisque, par exemple, sur le cumul emploi-retraite, il va avoir des dépenses nouvelles, puisque ça va créer des droits nouveaux, ces cotisations. Vous ne pouvez pas les ponctionner. De la même manière, sur le malus qui pouvait être opéré, forcément, il change en fonction des nouvelles règles. On ne peut pas leur imposer d'aller jusqu'à 65 ans si on a dit à tout le monde que ça allait jusqu'à 64 ans. Là encore, c'est 300 millions. Donc on voit bien qu'on est plutôt à 200 millions et pas à 1,2 milliard. C'est Merci, important de le corriger tout de suite. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, monsieur Clouet. Merci, monsieur le président. Alors, cet article liminaire nous apprend quelques éléments intéressants et c'est l'occasion d'en discuter puisqu'on n'aura visiblement que quelques minutes ensemble pour pouvoir avoir un examen du texte avant votre 49.3. D'abord, on voit que dans l'ensemble de la protection sociale, les dépenses ont légèrement augmenté. Ce qui est bien, ça a contribué à suivre une partie des besoins, pas tous malheureusement. Et simultanément, en même temps, diriez-vous, les recettes, elles, ont été gelés. Ce qui indique donc bien que vous reconnaissez l'existence de besoins, mais que vous refusez de faire contribuer celles et ceux qui pourraient payer pour pouvoir y subvenir. Donc c'est un choix politique que de ne pas se donner les moyens de couvrir les besoins sociaux qui sont exprimés. Deuxièmement, on voit que le système général de protection sociale est en excédent. Ça a été dit, on est à 0,6 points de PIB d'excédent, une paille, 17 milliards d'euros, 250 euros par Française et par Français, ce qui nous rappelle à quel point la sécurité sociale, lorsque vous ne la ponctionnez pas, est bien meilleur gestionnaire que Bercy et que l'appareil d'État lui-même. Et ce pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne sur la base d'une cotisation qui est intrinsèquement juste, puisqu'elle fait contribuer le travail pour aller directement couvrir des risques. C'est donc celles et ceux qui ont les revenus les plus élevés qui contribuent directement à destination de celles et ceux qui ont besoin de voir les risques de leur vie couverts, l'âge, la maladie, l'accident du travail, etc., etc. Ceci étant, cet article nous apprend aussi quelques coups tordus. Qui paye cet excédent ? D'abord, les chômeurs, puisqu'il y a 4 milliards d'excédents du régime d'assurance chômage que vous avez constitué et provisionné en privant de leurs droits des personnes qui ont cotisé pendant des décennies et qui aujourd'hui se retrouvent avec une durée d'indemnisation limitée, un montant d'assurance chômage limité et sont conduits, forcés, contraints à prendre des emplois qui sont pourris, qui sont précaires, qui sont donc de faible durée et les ramènent à l'assurance chômage, creusant ainsi les besoins de financement qu'on évoquait au début. Donc, chaque chômeur peut être ravi d'avoir fait l'équivalent de 800 euros de chèque à votre budget. Pour toutes ces raisons-là, merci, nous demandons la suppression. Aurait-on pu faire mieux ? Merci. Oui, en prenant un amendement. Vous n'avez pris aucun.
Eh bien, nous passons aux amendements de suppression de l'article, le 46 qui est présenté par Monsieur Gedge. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en effet, nous y voilà pour les quelques instants que nous aurons pour débattre de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale dont on sait que le sort est d'ores et déjà scellé. Alors pourquoi un amendement de suppression ? Je me rappelle les cris d'orfraie que vous aviez poussés l'an dernier en disant « Mais comment peut-on supprimer une photographie destinée à améliorer l'information du Parlement ?» Tout simplement parce que cette photographie et la manière dont elle est construite est révélatrice de la philosophie que vous assignez à ces projets de loi de financement de la Sécurité sociale. Thomas Mesnier, qui était le rapporteur et le porteur de la loi organique qui a institué cet article liminaire, le disait dans les débats, cela doit être destiné à permettre à la loi de financement de la Sécurité sociale de s'inscrire dans le cadre global des finances publiques, c'est-à-dire de répondre à la philosophie qui, pour vous, préside à la construction de ce budget de la Sécurité sociale, certainement pas à partir des besoins des assurés sociaux, des patients, des ayants droit et des retraités, mais le glisser, le couler dans la logique de maîtrise de la dépense publique. Pour la petite histoire, on n'en a pas encore parlé, mais sur le site internet du ministère, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale était présenté comme un outil de la maîtrise des dépenses de santé et des dépenses sociales. C'est une philosophie contraire que nous vous proposons, celle de partir des besoins des Français pour dégager les ressources qui permettent de les satisfaire. C'est celle que Ambroise Croizat et Pierre Larocque avaient souhaité instituer au moment de la création de la sécurité sociale. Et j'ajoute que cette photo, non seulement elle est mauvaise, comme le disait Sébastien Pétavy, mais en plus elle est extrêmement floue, car elle ne permet pas d'apprécier la réalité de ce que vous faites. Avec un seul exemple dont on aura peut-être le temps de parler et dont on ne parle pas suffisamment, qui est la question de la caisse d'amortissement de la dette sociale, puisque les excédents de celle-ci génèrent mécaniquement un solde positif, alors que la Sécurité sociale assure un déficit de 8,8 milliards en 2023. Merci. Raison de plus. Le 247, Monsieur Pétavy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Alors, par cet amendement, le groupe écologiste appelle à la suppression de cet article liminaire qui présente l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de soldes des administrations de sécurité sociale pour l'exercice en cours et pour l'année à venir. Alors si cet article, comme je le disais tout à l'heure, n'est qu'une photographie du solde des administrations de sécurité sociale, nous rappelons notre position quant à la dynamique de dépenses contraintes au sein de laquelle s'inscrit ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et ceux des années à venir. Ce PLFSS n'est pas et ne peut pas être un projet de loi d'investissement dans le système de soins et d'accompagnement. Il s'inscrit dans la trajectoire d'austérité tracée par la loi de programmation des finances publiques, passée en force par un 49.3, qui a été le premier là, d'une longue série. Il sanctuarise une vision du budget à laquelle nous nous opposons totalement, celle d'une enveloppe budgétaire fermée qui cloisonne nos politiques de santé, de solidarité et de transition écologique. Cette vision du budget est totalement aveugle aux enjeux climatiques et sociaux auxquels un véritable budget pour la nation devrait faire face. Et le groupe écologiste réfute donc un budget pour la sécurité sociale qui nie totalement l'importance de la prévention en santé environnementale et de l'investissement dans notre système de santé pour allier transition écologique et planification sociale. Et donc nous proposons de supprimer cet article. Merci. Le 1040, Monsieur Dharréville. Merci, Monsieur le Président. Donc cet article, en effet, comme ça a été dit plusieurs fois, arrête les soldes des administrations de sécurité sociale pour 2023 et pour 2024. Et ce que l'on peut constater en premier lieu, c'est une stabilité des dépenses entre 2023 et 2024 à hauteur de 26% du PIB. Or, il est indéniable que les besoins en santé, les besoins sociaux augmentent en raison du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques, de la désertification médicale qui retardent des prises en charge, de la crise de l'hôpital public ou encore des interruptions de soins qu'ont subi de nombreux patients pendant la pandémie et que nous continuons à voir les effets. Il y a donc une première impossibilité pour nous, celle qui consiste à acter que les dépenses de santé n'augmenteraient pas en part du PIB. Voilà. Et donc vous voulez nous faire acter finalement une tendance, une orientation que nous ne souhaitons pas voir persister, voire perdurer à travers cet article liminaire. Je voudrais
dans cette deuxième intervention, porter l'accent sur les excédents de la CADES, puisque évidemment, ce tableau comptable qui maquille quand même une réalité, qui est celle d'une politique d'austérité, je le dis, monsieur le ministre, je sais que le mot vous déplaît, mais c'est le mot qui nous semble plus adapté pour décrire la situation, notamment en matière de santé, puisqu'il y aura des économies drastiques qui vont être effectuées. Je voudrais dire un mot sur le rôle que joue la CADES dans cette affaire-là. Nous avions contesté l'année dernière, ça avait été adopté par cette Assemblée, le fait de charger la CADES d'une dette qui est une dette publique, qui est une dette de l'État, qui aurait dû être remboursée par l'État et que vous voulez faire rembourser par les cotisations sociales, remboursée par la sécurité sociale. C'est quand même 18,3 milliards d'euros en 2023 et 16 milliards d'euros pour 2024, et ça contribue largement au solde positif qui nous occupe à l'occasion de cet article. Ce sont autant de ressources qui devraient être affectées à l'assurance maladie, et si tel était le cas, la part des dépenses sociales et de santé serait bien différente de celle qui est annoncée dans cet article liminaire. Donc, il y a donc un trompe-l'œil que j'en profite pour dénoncer, mais qui n'est pas un trompe-l'œil sans effet sur la capacité de la sécurité sociale à faire face aux enjeux. Merci, monsieur le député. Sur le vote des amendements de suppression, 46 identiques, je suis saisi par les groupes écologistes et GDR d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 1642, madame Mélin. Merci, monsieur le président. Oui, nous demandons aussi la suppression de cet article. À défaut d'élargir formellement le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale, comme l'avaient proposé les sénateurs, cet article liminaire nous permet de disposer d'une vision financière supposément globale des administrations de sécurité sociale. Supposément, car nous considérons que les points de PIB reflétés après rééquilibrage de la CADES représentent ce que nous appellerons pudiquement une réalité alternative. Le reclassement effectué en 2011 par l'INSEE de la CADES et du Fonds de réserve des retraites, jusqu'alors considérés comme des organismes divers d'administration centrale, résonne comme un artifice trompeur afin de masquer un système basé en partie sur le financement par la dette, puisque la CADES prélève un impôt pour rembourser le principal de la dette, donc les dépenses passées. Toujours aussi problématique, l'absence de comptabilisation dans les comptes présentés des dépenses engagées pour financer la retraite des fonctionnaires, 48 milliards, qui devraient logiquement intégrer le compte des prestations sociales. S'y ajoutent les 26 milliards de subventions qui proviennent de l'État, de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la CNAM, de l'assurance maladie, de la famille et de l'UNEDIC, et financent les déficits des régimes spéciaux à hauteur de 7,5 milliards, les exonérations ciblées de cotisations pour le régime général de base et de complémentaire à hauteur de 4,7 milliards, les avantages familles du régime général des salariés privés 10,4 milliards et les périodes non cotisées de l'Argirc-Arrco des chômeurs 3,4 milliards. Même légitimes, ces dépenses publiques qui financent des dépenses de retraite doivent être éliminées des recettes des régimes de retraite pris en compte dans le PLFSS et concourent donc complètement au déficit public. Nous demandons donc la suppression afin de nous présenter un article liminaire sincère, reflétant la réalité des comptes sociaux dont tous les périmètres doivent être pris en considération. Je vous remercie. Merci. Le 2268, monsieur Panifou. Merci, monsieur le président. Cet amendement de suppression de l'article vise à manifester une contestation des comptes qui nous sont présentés sur leur aspect purement ou trop économique et qui ne tient pas compte des besoins de soins pour nos hôpitaux, pour nos aînés, dans nos EHPAD, d'un manque d'ambition de ce texte. Et je veux profiter de la défense de cet amendement pour poser une question au ministre concernant des précisions qu'il a données hier soir suite aux déclarations générales que nous avons pu faire. J'ai salué le retrait de la décision sur l'Argirc et l'Arco, mais j'ai entendu votre réponse dans laquelle finalement vous affirmiez plutôt un report qu'une vraie décision de retrait, un report pour utiliser une autre méthode pour arriver à vos fins. Je voudrais, s'il vous plaît, si c'est possible, avoir des précisions sur cela. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Le 28-18, monsieur Maudet. Monsieur Maudet. Le 28-18 pour le groupe LFI. Monsieur Clouet. Merci, monsieur le président. Ça donne l'occasion de terminer les quelques points je souhaitais évoquer tout à l'heure. On en était resté au fait que l'excédent qui est constaté ici va être quasiment exclusivement imputé à la charge des demandeurs et demandeuses d'emploi par le biais des réformes de l'assurance chômage qui ont mis 4 milliards d'excédents dans les comptes. Évidemment, ces 4 milliards n'iront pas aux chômeurs et aux chômeuses pour une meilleure protection, n'iront pas sécuriser les parcours, ils vont être absorbés dans cette espèce d'énorme maelstrom financier que vous appelez aujourd'hui la sécurité sociale. Car si on a un excédent, cet excédent, il est maintenu en dépit
de la CADES, donc cette caisse dont nous contestons l'existence, à la fois pour une raison de principe, car il n'y a pas de dette sociale à rembourser, il y a un manque de financement, point. Parce que dire qu'il y aurait une dette sociale voudrait dire qu'il faudrait avoir un crédit sur le travail humain, ce qui n'existe pas. Bref, il n'y a pas de dette sociale et nous la contestons sur le fond également, car cette CADES a pour objet presque exclusif de soumettre à des logiques de financiarisation la sécurité sociale en absorbant des crédits qui y seraient consentis. Elle sert aujourd'hui à rembourser des créanciers, lesquels ont gagné au tirage et au grattage. Au tirage d'abord, puisqu'on a diminué leur contribution depuis 30 ans. Les plus hauts revenus s'acquittent d'une contribution et fiscale et, en termes de cotisation, une contribution sociale de plus en plus basse. Et ils gagnent au grattage, puisque, une fois qu'on leur a rendu l'argent dont ils s'acquittaient justement pour protéger les risques sociaux dont ils sont responsables lorsqu'ils licencient, eh bien, ils ont de l'argent disponible qu'ils peuvent investir, notamment en le prêtant à la sécurité sociale, qui ainsi revient et éponge les déficits que vous avez créés artificiellement. Bref, la CADES ne mérite pas d'exister, elle n'a jamais mérité de le faire depuis très longtemps. C'est le moment d'y mettre fin tranquillement et calmement. On aurait pu le faire de manière assez simple si jamais on avait adopté les amendements proposés par différentes oppositions là-dessus, à raccourcir le délai dans lequel expirera la CADES, retrouver l'argent qu'elle immobilise, car ce sont plusieurs milliards d'euros par an, ici en l'occurrence 16 milliards qui sont immobilisés pour durer des créanciers. 16 milliards, merci. C'est 3 000 euros par chômeur. Merci. Madame la rapporteure générale, sur ces amendements de suppression. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Donc, on est là dans l'article liminaire de ce PLFSS 2024. Vous l'avez dit, c'est une photographie. En fait, c'est à un moment donné, les comptes de la Sécurité sociale élargis des régimes de base. On peut discuter du périmètre. Il est tel qu'il est, mais surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse le suivre d'une année sur l'autre et qu'il nous donne un point de comparaison. Et comme vous l'avez dit, c'est vraiment une information donnée aux parlementaires et c'est toujours important. Et je ne vous rejoins pas, Monsieur Guetch, quand vous dites que c'est une vague information, puisque certes, il y a des données agrégées dans cette partie d'article liminaire, mais on a aussi dans le PLFSS les annexes, notamment l'annexe 8 qui donne vraiment en détail les informations, par exemple, sur les régimes de retraite complémentaires. Alors c'est vrai que cet article montre un solde positif de notre trajectoire. Certains parlent de trajectoire austéritaire et pourtant nos dépenses sociales continuent d'augmenter pour répondre aux besoins avec une augmentation qui sera de 26% du PIB en 2024, ce qui représente pour 2023 une augmentation de 30 milliards. Les recettes augmentent à 28 milliards en 2024. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'austérité. Mais enfin, ces dépenses, elles doivent être soutenables dans le cadre de notre système, ce qui implique une maîtrise de leur évolution. C'est comme quand on a un budget personnel, on essaye d'en maîtriser les dépenses en fonction de notre richesse, mais on essaye aussi d'augmenter notre richesse pour pouvoir augmenter nos dépenses. On fait la même chose dans la responsabilité de notre PLFSS et de nos dépenses publiques. Donc avis défavorable, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être revenir sur certains arguments évoqués, et à droite et à gauche, sur d'abord à quoi sert cet article. Moi, je ne comprends pas trop. L'article liminaire, c'est la stricte traduction de l'engagement pris dans la loi organique, votée en 2022 pour mieux informer le Parlement. D'ailleurs, loi organique qui avait été très largement adoptée. Donc, c'est un enjeu de transparence et de bonne information des parlementaires. Je ne comprends pas l'idée de vouloir supprimer un article dont vous contestez le périmètre, l'utilité. Deuxième argument, sur l'austérité. L'austérité. Ce PLFSS, c'est 2,4 milliards d'euros de plus de CSG pour la CNSA. C'est 6 milliards d'euros de plus pour la rémunération des professionnels de santé. C'est 14 milliards d'euros d'indexation des pensions. Plus d'un milliard d'euros d'indexation des prestations familiales. L'austérité, elle est partout dans vos interventions, mais elle n'est pas dans les chiffres. Et puis enfin, vous redire, pour répondre à la question de M. Guedj et M. Dharréville notamment, sur la CADES.
On ne prive pas la sécurité sociale de ressources. On rembourse notre dette. Notre dette est un leurre, est un mirage. Non, notre dette, elle est bien réelle. Et notre engagement, c'est de la rembourser. Et le dispositif de la CADES, il est bien prévu pour cela. Dernier élément sur l'Agir Carco, pour répondre aux questions posées par un certain nombre de députés. Je l'ai dit, il n'y a pas d'amendement de prélèvement sur l'Agir Carco. En revanche, nous souhaitons que les partenaires sociaux négocient, comme c'est prévu dans l'article 9 de l'ANI, qu'ils puissent mobiliser une partie de leurs ressources au service des mécanismes de solidarité. C'est eux-mêmes ce qu'ont décidé les partenaires sociaux et nous demandons de négocier et de participer au financement des mécanismes de solidarité. Et enfin, c'est pas une pression amicale, c'est, je crois, la nécessité d'utiliser tous les dispositifs prévus par leurs propres accords. Voilà, et je le redis enfin pour Monsieur Bazin, je crois avoir répondu à votre question sur l'Agir Carco. Et enfin, si, un point quand même sur le secteur asso. Vous dites c'est incroyable, il est en excédent, et au fond, tout va bien et on prélèverait. Le déficit de la sécurité sociale en 2024, c'est 8 milliards d'euros. En 2027, c'est 17 milliards d'euros. Donc quand vous dites c'est une cure d'austérité, moi je considère au contraire qu'on prend des mesures qui continuent à protéger la santé des Français, mais que nous allons devoir continuer à faire des efforts de maîtrise de la dépense pour garantir la pérennité de notre système. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur tous ces amendements. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Turquois. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entends beaucoup d'un certain nombre de nos collègues qui pensent qu'ils seront à la manœuvre en 2027, donc en responsabilité. Je serais curieux de savoir comment ils vont établir un budget sans avoir une photographie de la situation des finances publiques au moment d'établir le budget. Là, c'est tout simplement de partager une photographie. Chacun peut l'interpréter comme il veut, mais d'abord de partager une photographie de la situation. Ensuite, dans les arguments, on parle d'austérité parce que les dépenses consacrées à la santé, au médico-social, enfin tout ce qui relève du PLFSS, ne bougeraient pas en proportion du PIB. Mais si on les bouge en proportion du PIB, donc si on les augmente en proportion du PIB, ça veut dire qu'on les diminue par ailleurs. Il n'y a pas plus que le PIB. Donc est-ce qu'on les diminue sur l'éducation? Est-ce qu'on les diminue sur la sécurité? Est-ce qu'on le diminue sur le pouvoir d'achat de nos compatriotes? Voilà, il faudrait répondre à ces questions-là. Et puis, nous, notre analyse, c'est que la meilleure façon de mieux accompagner la sécurité sociale, le PLFSS, c'est d'avoir une augmentation du PIB. Et là, quand on regarde le rapport qui était associé au PLFSS, c'est plus de 30 milliards d'euros de plus sur l'ensemble des administrations de sécurité sociale. Et puis enfin, en termes de responsabilité, Monsieur le ministre vient de le dire, la CADES, ben, c'est simplement assumer les dettes qui ont été contractées par le passé. Et je pense que c'est un élément de responsabilité. Je trouve particulièrement dommageable que même sur la photo, votre opposition vous conduise à rejeter la photo. Merci, Monsieur Clouet. Merci, Monsieur le Président. L'occasion de répondre rapidement à Monsieur le ministre qui disait « la CADES ne coûte rien ». Bah pourtant, on rembourse 16 milliards d'euros. Donc j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est 16 milliards d'euros qu'on sort, qui ne coûte rien. Sinon, vous avez peut-être réinventé l'argent magique. On sait que ça revient assez régulièrement. Mais alors, Monsieur le ministre, si on rembourse 16 milliards d'euros cette année à des prêteurs, à des créanciers, c'est aussi qu'on pourrait négocier un rééchelonnement du remboursement. Et c'est aussi qu'on pourrait décider de rembourser, par exemple, 14 milliards cette année et négocier de rembourser les deux du reliquat l'année suivante. Donc, c'est une volonté délibérée de nous priver de recettes en précipitant les remboursements. D'autant que je rappellerai que sur les trois années précédentes, les taux d'intérêt de la CADES ont été supérieurs aux taux d'intérêt du Trésor public sur les OAT à 2 ans. Donc, non seulement la CADES immobilise de l'argent, non seulement elle oblige à des remboursements immédiats qui
mobilise une somme qui serait nécessaire pour les besoins sociaux, mais en plus, elle parvient le tour de force d'emprunter plus cher que l'État. Bref, pour ces trois raisons-là, c'est du gaspillage, ce sont les frais. Merci, monsieur le député. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vous laisse rejoindre vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 185, exprimé 177, majorité 89, pour 102 contre 75. L'Assemblée nationale a adopté ces amendements de rejet. Merci, chers collègues. Je vous laisse, pour ceux qui quittent l'hémicycle, le faire en silence. Et nous allons poursuivre. Nous allons aborder la première partie du projet de loi qui concerne les dispositions relatives à l'exercice 2023. Avec des articles, des inscrits sur cet article premier, je laisse l'organisation technique se mettre en place. La première des intervenantes pour le groupe du Rassemblement national, c'est Madame Joëlle Mélin. Oui, merci, Monsieur le Président. Eh bien, je vais devoir, à propos de cet article premier, redire ce qui a été dit à différents moments, à savoir qu'une fois de plus, le socle sur lequel on nous demande de dire que la photo est bonne, que la photo est sincère, au seul motif, Madame Rist, qu'il y a les annexes qui le prouvent, est un véritable photomontage. Et non seulement un photomontage, mais un photomontage d'éléments relativement inquiétants, puisque, par définition même, nous devons nous fonder sur des montants issus de 2022 qui sont très instables, refusés par la Cour des comptes, particulièrement au niveau de la caisse d'allocation familiale à hauteur de 5,8 milliards d'erreurs définitivement perdues. Par la suite, le refus avec des remarques graves concernant en particulier 20% du RSA, 8% des APL, les aides personnalisées au logement qui font l'objet d'erreurs, sans parler d'anomalies signalées depuis longtemps et jamais corrigées. En fait, il s'agit de 54 observations faites par la Cour sur l'ensemble des branches, dont 11 anomalies graves et 43 insuffisances d'éléments probants. Par le reste, bien évidemment, ce sont les deux chambres qui se sont refusées à vouloir certifier vos comptes. Et pour tout cela, on voudrait nous dire qu'entre-temps, la Caisse nationale d'assurance famille aurait rectifié le tir sur toutes ces anomalies, de même que les autres caisses. Alors non, véritablement, votre article premier porte beaucoup trop d'incertitudes, voire même d'erreurs, pour qu'il soit accepté en l'état. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Pour le groupe des Républicains, Monsieur Neuder. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Madame la Présidente. Effectivement, quelques mots pour préciser, si c'est possible, la position du gouvernement sur un certain nombre de sujets qui nous paraît quand même particulièrement flou. Il paraît même finalement presque plus important de lire la revue de presse plutôt que d'auditionner ou d'écouter les ministres dans cet hémicycle. Donc, nous aimerions un certain nombre de points de précision. Nous utilisons le peu de temps que nous avons à débattre avant que vous dégainiez votre 49-3 et on voudrait enfoncer le clou définitivement sur l'Argirc-Arrco. On a bien compris que globalement, quoi qu'il soit dit dans cet hémicycle, vous allez effectivement faire cette ponction autour de 400 millions d'euros. Et donc, je voudrais savoir si vous le confirmez bien ici. Je voudrais également savoir quelle est votre position sur les franchises, parce que nous avons une belle nébuleuse, que ça soit en audition des commissions. Je regrette que le ministre de la Santé ne soit pas là. Mais quelle est la position du ministre ? On voudrait quand même savoir quelle est la position du ministre de la Santé de la France sur les franchises du médicaments et sur les franchises des consultations. On n'a aucune position claire de quel est l'avis du ministre. Y a-t-il un ministre ? Quelle est sa position sur les franchises ? Et le dernier point, c'est sur les soins dentaires. Vous nous avez échaudé déjà en 2022, puisque vous avez transféré 500 millions d'euros de déremboursement pour les soins dentaires sur le pouvoir d'achat des Français, qui maintenant se transfèrent sur les cotisations mutuelles. Est-ce que vous allez faire la même chose par un tour de passe-passe, par décret, sur les boîtes de médicaments et les consultations médicales? On souhaite des réponses claires sur ces précisions.
Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste, monsieur Gage. Merci, monsieur le président. À mon tour, après ce premier vote de rejet qui atteste d'une certaine manière que vous-même, vous n'y croyez pas à votre PLFSS, eu égard à la faible mobilisation sur les bancs de la minorité présidentielle et sur le fait que vous avez, à votre manière, d'ores et déjà entériné le recours au 49-3, cette paresse du débat et cette brutalité démocratique. Donc le temps qui nous est imparti, ben, on l'occupe pour avoir les éclaircissements. Et dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, vous dire en effet que depuis les auditions en commission et même la discussion générale hier, tout est flou. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et il y a beaucoup de loups dans votre PLFSS. Il y a des loups dangereux. Parce que sur la Gircarco, il faut que vous nous disiez avec la plus grande des clartés que oui, vous avez un article qui prévoit une négociation, mais que vous nous disiez de manière très claire que si cette négociation n'aboutit pas, alors il n'y aura pas de décret de carence par lequel vous imposerez par la voie réglementaire ce qui n'aura pas été obtenu par la voie conventionnelle pour aller ponctionner les excédents de l'Agirc-Arrco liés à la réforme des retraites. Le deuxième flou gigantesque, c'est celui, bien évidemment, sur les franchises médicales, parce que nous ne savons toujours pas ce qu'il en est. Alors hier, pendant le débat, et je reprendrai la parole pour compléter tout à l'heure, c'est une sorte de teasing, pendant le débat, le ministre, de manière un peu étonnante, a dit si la MEX avait diligenté un contrôle sur pièce et sur place, elle aurait eu des informations. Et donc, ce que nous a dit le ministre hier à 23h50, eh bien, ce matin, je me suis rendu avec mon collègue coprésident de la MEX, Cyril Issac-Sibille, auprès de la direction de la Sécurité sociale, et j'ai pu enfin avoir des informations sur les scénarios d'augmentation des franchises médicales que vous avez envisagées, dont nous n'avions jamais eu le détail, et je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste, monsieur Pétavi. Merci, monsieur le président. Il me semblait avoir été assez clair et précis tout à l'heure en parlant de cette photographie, et nous ne sommes pas contre le fait d'avoir une photographie et nous sommes très contents d'avoir une photographie, mais la question c'est le contenu et la qualité de cette photographie. Et il est évident qu'aujourd'hui vous avez beau effectivement vous appuyer sur des chiffres et des augmentations, mais ce que l'on conteste c'est qu'au vu des besoins qu'il y a aujourd'hui et au vu de l'interpellation, notamment de la fédération hospitalière, on voit qu'il y a, et sur les questions d'inflation, et sur les questions d'augmentation donc pour les tarifs de nuit et week-end, il n'y a pas suffisamment d'argent en fait qui a été inscrit. Et aujourd'hui, on vient contester effectivement la sincérité de votre budget. Et on a pu le voir l'année dernière. Il a fallu à plusieurs reprises l'augmenter. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'est le principe même de ce budget. Effectivement, mais quand on sait dès le départ qu'il ne sera pas à la hauteur, on peut effectivement se poser de nombreuses questions, ce qui fait que nous en avons demandé la suppression et que, encore une fois, on vient contester, là, aujourd'hui, ce que vous venez nous présenter. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, monsieur Maudet. Merci, monsieur le président. Bon, c'est vrai que, finalement, on n'est pas tout à fait étonné parce que, enfin, si, un peu quand même. Hier, vous nous avez, monsieur le ministre, mais du coup, votre collègue n'est pas là, mais hier, quand même, après les discussions générales, vous avez passé une vingtaine de minutes à nous expliquer à quel point ce texte était splendide, que vous n'avez rien à vous reprocher. Et à nouveau, vous n'avez convaincu tellement personne que même vos propres députés viennent même pas voter le premier article de ce texte. Donc franchement, il y a une drôle de définition de la satisfaction. Même vos députés ne sont pas convaincus. Moi, j'ai une question, parce que hier, vous nous avez expliqué que on vous a dit que vous alliez faire des cadeaux au laboratoire pharmaceutique et vous nous avez dit que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a 1 milliard d'euros d'économies sur les remboursements de médicaments. Moi, j'ai besoin de précision, parce qu'effectivement, ce milliard d'euros d'économies, est-ce que ça va être vraiment l'industrie pharmaceutique qui va rogner 1 milliard d'euros sur ses profits, ou est-ce que vous allez les faire payer aux Français ce milliard d'euros d'économies? Parce que ce n'est pas la même chose. Derrière, en plus, il y avait un mécanisme qui existait, c'est-à-dire que si on dépassait en remboursement le montant
qui était fixé, il y avait la clause de sauvegarde qui existait. Donc peut-être que c'est là que vous allez récupérer l'argent. Sauf que vous augmentez le plafond de la clause de sauvegarde pour faire en sorte que les industriels payent de moins en moins. Et d'ailleurs, cette année, la hausse du plafond de la clause de sauvegarde, ça va être 300 millions d'euros dans la poche de l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai du mal à comprendre. Ce milliard d'euros d'économie, pouvez-vous nous le détailler, nous expliquer exactement qu'est-ce qui va être rogné sur les profits de l'industrie pharmaceutique par ces économies et qu'est-ce qui va être payé par les Français via les franchises ? Merci, monsieur le député. Je n'ai pas d'autres inscrits sur cet article. Nous allons donc commencer à étudier les amendements de suppression de l'article. Le premier, c'est le 47, monsieur Gedge. Merci, monsieur le président. Article de suppression pour la simple raison, c'est que la rectification que vous faites de l'ONDAM correspond peu ou prou à ce que nous vous demandions de faire en budget initial au moment du vote du PLFSS. Et vous nous avez balayé d'un revers de la main, en l'occurrence du revers du 49.3. Et donc en cohérence avec notre opposition au PLFSS initial, nous le sommes sur ce PLFSS rectificatif. Alors je complète ce que je vous disais à l'instant sur les franchises médicales. Les scénarios que vous avez envisagés et qui figurent dans l'ONDAM 2024, vous avez intégré 1,3 milliard de mesures dites de responsabilisation. 500 millions sur les soins dentaires, ils sont déjà entrés en vigueur, et 800 millions d'euros pour des franchises médicales, selon plusieurs scénarios que vous avez envisagés. Ça s'appelle les options 1 dans les documents qui m'ont été communiqués. Le doublement des franchises existantes sur les médicaments, les actes paramédicaux, les transports sanitaires, c'est 360 millions d'euros. Et le doublement des participations forfaitaires sur les actes médicaux, les analyses de biologie médicale et les examens de radiologie, c'est 440 millions d'euros. Donc on comprend que ce que vous envisagez, c'est le doublement avec plafond inchangé. Mais la question qui se pose, et qui n'a pas de réponse à cet instant, c'est d'abord les autres options que vous aviez envisagées dans cette réunion interministérielle du 10 juillet 2023 ou du 11 juillet 2023, c'était éventuellement la création d'une franchise sur les dispositifs médicaux. Alors elle ne figure pas dans le PLFSS, c'est un dispositif législatif, mais c'était une piste que vous aviez envisagée. Mais par contre, là où nous n'avons pas de réponse, c'est si vous ne nous dites pas, si vous décidez par voie décrétale de mettre en place ces franchises médicales, comment faites-vous pour tenir les 800 millions d'euros d'économies que vous avez d'ores et déjà inscrits dans l'ONDAM. Donc là, on a en plus un problème démocratique. Vous avez une simulation à 800 millions d'euros, on comprend que c'est le doublement des franchises, mais comme vous ne nous dites pas en transparence que vous allez le faire de manière décrétale, dites oui ou non. Merci. Sinon, comment le ferez-vous par d'autres moyens d'économie ? Monsieur Pétavy pour le 248. Merci, monsieur le président. Cet article présente pour l'année 2023 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Alors notre constat est clair, ni l'article liminaire ni l'article premier de ce PLFSS ne laissent planer un quelconque investissement réel du gouvernement pour que notre système de soins soit résilient aux enjeux environnementaux et pour garantir un accès aux soins pour toutes et tous de qualité. L'ONDAM hospitalier pour 2023 est ainsi à l'image d'un budget incapable d'anticiper les besoins nécessaires et d'accorder les moyens à notre système hospitalier. Selon les fédérations hospitalières, pour 2023, ni l'intégralité des coûts de l'inflation, plus 1,5 milliard d'euros nécessaires, n'est prise en compte, ni l'ensemble des mesures de revalorisation du travail de nuit et des gardes, soit 400 millions d'euros nécessaires. Un abondement de l'ONDAM hospitalier pour 2023 de 1,9 milliard d'euros est donc nécessaire. Le groupe écologiste le dénonçait déjà lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale en 2022. Ce texte entérine le cantonnement des dépenses de santé sous 22 points du PIB jusqu'en 2027. Et donc, en conséquence, ni l'ONDAM ni les sous-ONDAM ne pourront excéder un montant maximum d'ores et déjà fixé jusqu'en 2027. Ce texte est donc construit selon une logique d'enveloppe fermée et toute mesure de progrès appelle une mesure d'économie. Et donc, quand l'effondrement climatique est présent, que les personnes les plus pauvres sont celles qui trinquent à cause d'un système de santé sous-financé, les personnes les plus précaires ont trois fois plus de risques de renoncer aux soins que les autres. Et il y a un écart de 13 années d'espérance de vie à la naissance entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres.
parce que cet article premier est bien à l'image d'un budget pour la sécurité sociale qui n'est pas à la hauteur de ses enjeux, nous proposons donc de le supprimer. Merci, monsieur le député. J'ai un rappel au règlement de monsieur Daréville. Merci, monsieur le président. Je fais un rappel au règlement sur la base de l'article 47.1 de la Constitution. Je réfléchis depuis quelque temps à ce que nous sommes en train de faire et je m'interroge. Je m'interroge parce que vous avez déposé votre texte le 23 septembre, le PLFSS, sur le bureau de l'Assemblée nationale. À compter du 23 septembre, vous aviez 20 jours pour que ce texte soit adopté par l'Assemblée nationale. Le décompte que j'ai fait, il y a peut-être plusieurs interprétations possibles, vous allez me le dire, j'espère. Le décompte que je fais, ça nous conduit, dans le meilleur des cas, au vendredi 27, pour adopter, en dernière instance, le PLFSS. Le vote a été fixé à mardi prochain. Ça voudrait dire que vous auriez délibérément décidé que nous ne voterions pas, en aucun cas, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, monsieur le ministre, très calmement, mais avec beaucoup de colère, si jamais ça devait être le cas, je vous demande des comptes sur les intentions du gouvernement quant à la manière dont nous pouvons délibérer autour de ce texte. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous voulez répondre ? Non. Madame la rapporteure ? Mais sinon, une suspension, sinon je vous livre une réponse, mais bon, on suspend 5 minutes.
Bien, la séance est reprise. Je vais livrer à notre collègue Daréville les réponses suite à son rappel au règlement concernant le projet de loi. Donc la date limite du projet de loi est au mardi 3 octobre. La lettre qui a récapitulé la liste des documents distribués était lundi 16 et le point de départ des délais était le mardi 17, expiration du délai de 20 jours, le dimanche 5 novembre à minuit. Donc nous y sommes. Nous poursuivons l'examen des amendements de rejet. Le 1042, Monsieur Monnet. Merci Monsieur le Président. C'est donc un amendement de suppression pour cet article premier. Monsieur le ministre, vous nous parlez de vos chiffres, de vos milliards, mais force est de constater que vos milliards ne correspondent pas à la réalité, puisque régulièrement vous les réévaluez, que ce soit pour la dette de la Sécurité sociale ou même lorsque vous modifiez l'ONDAM, et même quand vous le modifiez, vous êtes bien en delà des estimations et des besoins. Ça nous montre deux choses, c'est que tout d'abord, on a un vrai doute sur la sincérité de ce budget, et ensuite, on voit bien que cet ONDAM ne correspond absolument pas aux besoins. Donc, si vous voulez des chiffres qui correspondent aux besoins, il y en a qui existent. Par exemple, la Fédération hospitalière de France estime ainsi la nécessaire affectation de l'ONDAM hospitalière 2023 à environ 3 milliards d'euros, soit une augmentation de 2,86% par rapport à son niveau actuel. C'est 1,5 milliard d'euros au titre de l'inflation, dont 1 milliard d'euros pour le seul hôpital public, 1 milliard d'euros au titre des mesures de soutien au pouvoir d'achat des agents de la fonction publique et 400 millions d'euros au titre de la reconduction des mesures transitoires prises à l'été 2022. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Merci, monsieur le député. Le 1641, madame Mélin. Merci, monsieur le président. Quand on se retourne un petit peu, on s'aperçoit que l'an dernier déjà, les députés et les sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel sur la loi de finances de sécurité sociale 23 en considérant l'incohérence s'agissant des déficits entre son article 1er relatif au tableau d'équilibre et les annexes et avaient pensé que les comptes étaient inexacts. Le Conseil constitutionnel avait répondu que la sincérité s'entend comme imposant l'exactitude des comptes. Cette année, nous nous retrouvons dans la même situation. Et même si Monsieur le ministre nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes et que la photographie est la plus belle, celle qui va gagner le concours, il faudrait peut-être être beaucoup plus cohérent dans les périmètres, qu'on le veuille ou non. Et nous aussi demandons la suppression de cet article compte tenu de l'incohérence et du refus de mettre dans le périmètre réel des comptes tous les éléments qui devraient y être. Merci beaucoup. Merci. Je vous annonce que sur le vote de ces amendements de suppression, je suis saisi par le groupe écologiste et par le groupe GDR d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et l'amendement 3051, Monsieur Clouet. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de venir défendre cet amendement alors qu'on assiste à un record de mauvaise foi absolue concernant les dépôts d'examen de ce texte. On a bien entendu du côté gouvernemental nous dire qu'il y avait des délais limites pour examiner le PLFSS et que donc le 5 novembre serait peut-être le dernier jour avant l'apocalypse finale qui interdirait qu'on examine un peu plus en avant. Or, ce que nous dit, et je le répète ici de la même manière que mon camarade Pierre Daréville, ce que nous dit le règlement, c'est qu'on a bel et bien d'un délai de 20 jours après le dépôt d'un projet. Après le dépôt, c'est pas après que vous l'ayez écrit entre vous, c'est pas après que vous l'ayez mis dans une enveloppe, c'est après le dépôt. Et quand on dit dépôt, c'est dépôt à la présence de l'Assemblée, pas dépôt dans une corbeille à papier, dépôt sous un meuble ou dépôt dans votre jardin. Donc, on a un délai limité après le dépôt à la présidence de l'Assemblée nationale. Dès lors, l'argument que vous utilisez, il est faux, il est de mauvaise foi, mais ça, quelque part, j'ai envie de dire, on était habitués. Après, pour conclure très rapidement sur l'article 1er, il est dans la même longueur d'onde que ce qu'on dit à l'instant, puisqu'il vient lui-même acter le fait que vous n'êtes pas capable de prévoir les dépenses et les recettes en faisant des erreurs tout de même d'à peu près 8 milliards d'euros, une paille. C'est-à-dire que vous arrivez à vous tromper d'un équivalent du montant du ministère de la Culture et de la Santé additionné. C'est quand même pas rien, puisque pour la branche maladie, on devait dépenser 238 milliards, c'est 244. Pour les accidents, c'était 14,8, c'est 15,3. Pour la vieillesse, c'est 2 milliards de plus, etc., etc. Donc, si jamais vous trompez sur les délais d'examen du texte, que vous trompez à 8 milliards d'euros près, je pense que ça mériterait qu'on vous aide, en prenant quelques jours en plus d'ouverture et d'examen, à pouvoir produire un texte un petit peu plus sérieux, notamment en acceptant des amendements issus des oppositions qui pourraient l'améliorer. Ce ne sera jamais bon, parce que le point de départ est extrêmement mauvais, mais ça sera sans doute moins horrible que ce que c'est aujourd'hui.
Merci, monsieur le député. Je propose à madame la rapporteure de nous donner sa réponse, son avis. Merci, monsieur le président. Donc, c'est un avis défavorable. En fait, cet article 1 retrace les rectifications pour 2023 dans le cadre, dans les tableaux d'équilibre, dans les régimes de base de la sécurité sociale, le fonds de solidarité vieillesse, les fonds de réserve et la CADES. En 2023, on a divisé le déficit par deux pour obtenir un déficit à moins 1,8 milliard du fait de la sortie de crise sanitaire, de l'augmentation des recettes grâce à notre politique et qui a amélioré l'activité économique, ce qui a permis d'augmenter les recettes de 5,2%. On n'est toujours pas dans de l'austérité puisque l'augmentation des dépenses est importante à plus 3,2%, ce qui a permis de prendre de nouvelles mesures comme par exemple l'augmentation de l'allocation familiale de soutien et les revalorisations salariales dont j'imagine ici que tous sur ces bancs vous êtes favorables. Un mot sur la CADES, nous aurons le débat un peu plus tard, mais comme cela a été abordé, notamment pour répondre à monsieur Maudet, je crois, sur les taux d'emprunt. Les taux d'emprunt de la CADES sont à 3%, alors que ceux de l'État sont à 2,95%. Donc on est dans les mêmes taux d'emprunt. Vous savez que la cible d'amortissement était de 18,3 milliards. Ce qui finance les dépenses qui sont des dépenses passées, puisqu'on est en fin d'année. Et vouloir faire rouler la dette, comme certains le proposent ici, je rappelle que cela a un coût, celui des intérêts. Or, avec les taux qui augmentent, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Enfin, répondre à M. Guedj, effectivement, nous avons augmenté l'ONDAM 2023, d'une part parce que les dépenses de soins de ville ont augmenté, et notamment en rapport avec les indemnités journalières qui ont particulièrement augmenté, et là encore, aux mesures annoncées pendant l'année sur les revalorisations pour permettre l'attractivité des établissements, notamment le travail de nuit et le travail de week-end. Enfin, il est effectivement demandé des économies sur les établissements de santé dans le cadre de la mutualisation des achats. Je réponds à M. Guedj qui se demandait sur quoi étaient ces économies. Elles portent notamment sur la mutualisation des achats, comme c'est inscrit dans notre texte de loi. Donc, avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Madame Melun, sur la non-certification des comptes de la branche famille, je vous rappelle que ça s'est passé pendant la période Covid, la réforme des APL, et que depuis, nous avons et nous renforçons la lutte contre la fraude avec notamment 1 000 ETP supplémentaires dans les différentes caisses de sécurité sociale pour mieux lutter contre les fraudes. Donc c'est un sujet qui est traité par une amélioration et de la lutte contre la fraude et donc de la qualité des données de la branche famille. Monsieur Guedj, sur les franchises et les participations forfaitaires, je crois que nous avons toujours été clairs avec le ministre de la Santé et de la Prévention. Oui, nous sommes favorables à une évolution du dispositif qui n'a pas été revue depuis 2008, d'une hausse de 50 centimes sur les franchises et les participations forfaitaires, dont je rappelle d'ailleurs qu'aucun gouvernement ne l'avait supprimé. Aucun ne l'avait supprimé. Et pour vous répondre clairement, on a prévu 1,3 milliard d'euros d'économies. Vous l'avez lu dans les tableaux du projet de loi. Dedans figurent les évolutions sur participation forfaitaire, franchise, transport sanitaire, le rapport entre régime général et organisme complémentaire. C'est un ensemble de mesures. Tout comme il nous faut un ensemble de mesures sur une meilleure utilisation et prescription des médicaments. Et l'effort sur les médicaments porte aussi et portera aussi dans le cadre de la négociation conventionnelle que va ouvrir le ministre. Comment est-ce qu'on amène collectivement à moins de dépenses de médicaments et surtout moins de gaspillage sur les médicaments? Donc c'est un ensemble de mesures sur lesquelles nous amenons tout le monde à faire des efforts. Et je le rappelle, la question des franchises et des participations forfaitaires, elles sont effectivement sur la table. Et vous avez pu, je crois, le constater ce matin. Mais je vous renvoie à nos déclarations avec le ministre de la Santé et de la Prévention. Nous n'avons jamais, jamais caché ce sujet-là, puisque nous l'avons mis sur la table dès le début, en disant voilà une piste intéressante, tout en protégeant les malades qui sont en affection de longue durée et qui ne seront pas touchés. Monsieur Maudet,
on demande 1 milliard d'euros d'efforts aux industriels, puisque ce sont 1 milliard d'euros de baisse de prix sur les médicaments. Ce n'est pas un effort sur les patients, c'est 1 milliard de baisse de prix qui nous permet de faire des économies. Et puis enfin, toujours pour revenir sur M. Goetz, sur l'ONDAM. L'ONDAM, ça a toujours été un objectif. Et chaque année, il est révisé. Et pourquoi, par exemple, on revoit de 2,8 milliards d'euros l'ONDAM de 2023 ? Parce qu'on a pris des mesures salariales importantes attendues par les professionnels de santé, et on en tient compte dans l'ONDAM. L'ONDAM a toujours été un objectif, une vision, et que l'on ajuste en fonction de la réalité. Et quelles que soient les majorités, quels que soient les gouvernements, la révision de l'ONDAM est une pratique on ne peut plus classique. Et enfin, Monsieur Monnet, l'ONDAM que l'on a retenu est un ONDAM bien supérieur à l'inflation, 3,2%, au lieu d'une inflation à 2,5%. Ce n'est pas une cure d'austérité. C'est un ONDAM qui progresse plus vite que l'inflation. Pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Et je redis d'ailleurs, j'aurais pu commencer par là, que c'est un article qui regarde l'année 2023 et sur lequel, encore une fois, vous avez souhaité supprimer l'article liminaire, qui est une attente d'une bonne information des parlementaires, qui a été prévue par la loi organique de 2022, et que cet article également vise à bien vous informer et donner les chiffres et la réalité des chiffres. Donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable à ces amendements de suppression. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Neuder. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, on a bien compris ces batailles de chiffres qui ne nous feront pas changer notre avis sur l'insincérité de l'ensemble des chiffres que vous proposez, mais on voudrait quand même un certain nombre de réponses sur un certain nombre de questions. Qu'en est-il des soins palliatifs, puisqu'on ne va pas avoir beaucoup de temps? On n'a eu aucune réponse si, effectivement, vous mettez les 1,6 milliards préconisés par la Cour des comptes pour améliorer les soins palliatifs. On rappelle que 21 départements en sont dépourvus, et on rappelle qu'on ne va pas traiter ce problème par la loi fin de vie de la ministre Firmin Lobodo. On voudrait également savoir, vous avez parlé des revalorisations des gardes, qu'en est-il de la revalorisation des gardes des internes de médecine? Ils assurent dans beaucoup de centres hospitaliers, universitaires ou périphériques, une grande partie des gardes. Donc, quel est-il sur la rémunération des gardes des internes, puisque nous avons salué la revalorisation à 50% des gardes du public et du privé, mais il n'y a rien sur les internes. Et puis, qu'en est-il également, au-delà de cette bataille de chiffres, sur la revalorisation que vous allez pouvoir proposer sur les actes des libéraux, que ce soit pour les paramédicaux qui n'ont pas de revalorisation depuis 2009 de leurs actes, qui subissent de plein fouet l'inflation, avec notamment tous les acteurs du domicile qui voient le gasoil à 2 euros le litre, et quelles sont les marges de manœuvre que nous allons avoir dans ce PLFSS 2023 calqué sur celui de 2024, sur les marges de manœuvre pour rémunérer notamment les médicaux, avec le 1,50 € qui était plutôt insultant. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre sur le budget 2024 pour permettre effectivement une juste revalorisation des actes médicaux en ville, dont je rappelle que si effectivement nous pouvons nous faire soigner dans les territoires, c'est grâce aussi aux professionnels libéraux. Merci. J'ai un rappel au règlement de M. Goetz. Merci, Monsieur le Président. C'est sur la base de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. Je regrette à cet instant l'absence du ministre de la Santé pour répondre sur les questions récurrentes sur les franchises médicales qui ont été posées, de même que je regrettais hier l'absence pendant la discussion générale d'Aurore Berger, qui a été incapable pendant la discussion générale de répondre aux dispositions relatives à l'autonomie. Et Monsieur le Ministre, ma question va être extrêmement simple. Vous dites que les franchises, c'est une non, piste. Non, Monsieur le député, on ne profite pas du rappel au règlement pour faire une intervention. Merci. Et c'est Monsieur Dharréville qui s'exprime. Monsieur le Président, je vous remercie des précisions que vous avez bien voulu me donner tout à l'heure. J'en dis simplement quelques mots, si vous me le permettez. Dans l'article 47.1, il est expressément écrit que c'est à compter de la date de dépôt. Si la jurisprudence, c'est à partir de la lettre récapitulative, actons-le, et tant mieux, moi je m'en félicite, ça nous permettra de débattre. Nous aurons un grand débat autour du PLFSS, et c'est finalement ce que nous souhaitons. Donc, allons-y. Deuxième aspect sur cet article, cet amendement. Monsieur le ministre, vous venez nous dire la question des franchises, il n'y a pas de mystère, elle est sur la table. Mais ça ne peut pas suffire de venir nous dire ça ici, au moment où nous examinons le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dites-nous ce que vous avez dans la tête, dites-nous ce que vous allez faire. Dites-nous clairement ce que vous allez faire. Ce n'est pas possible qu'on délibère comme ça sans savoir où vous allez.
Troisième remarque, vous nous dites cet article, il est fait pour bien vous informer. Bon, vous avez mis des informations dans le texte, mais ce n'est pas simplement ça. Notre vote, il voudrait quelque part adhésion, hein, vous le savez très bien. Et donc c'est pour cette raison que nous n'allons pas voter cet article. Parce qu'en réalité, ne serait-ce que la Fédération hospitalière de France demande une rectification qui soit de plus 3 milliards d'euros pour l'hôpital public, pour l'hôpital, pour la branche hospitalière. On n'en est pas là. Donc nous allons continuer à nous opposer à cette mauvaise photographie que vous nous proposez. Merci. Madame la rapporteure générale. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre sur les soins palliatifs. Vous savez que les soins palliatifs, il y avait un plan, ce que j'avais pu répondre en commission, de 2021 à 2024. Ce plan correspondait à 1,45 milliard d'euros, avec une augmentation entre 2021 et 2024 de 180 millions. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur ce sujet, dont les préconisations devraient être reprises dans le plan 2024 et suivant, dont nous n'avons pas encore les contours précis. Mais donc, je le redis ici, une augmentation de 180 millions. Merci. Eh bien, nous allons passer au vote. C'est un scrutin public. Je vous laisse regagner vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et voici le résultat du scrutin. Votant 209, exprimé 206, majorité 104 pour 119 contre 87. L'Assemblée nationale a adopté ces amendements. Merci, collègues. Si vous sortez, faites-le dans un silence relatif pour qu'on puisse examiner ensemble l'article 2. Chers collègues, pour que Mme Mélin s'exprime dans un silence de cathédrale. Laïque. C'est une cathédrale laïque. Allez, article 2 pour le groupe Rassemblement national, Mme Mélin. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous allons encore, sur cet article, faire un vote négatif. L'ONDAM, dont Monsieur le Ministre vient de nous rappeler que c'est un objectif, en fait, est un outil magique. L'outil magique d'un dispositif, je l'ai dit hier, qui a maintenant 43 ans, c'est-à-dire un demi-siècle de fonctionnement sans jamais avoir été évalué. C'est ce que vous appelez pudiquement la maîtrise médicalisée, mais qui n'est ni point ni moins qu'une maîtrise comptable. Or, cette maîtrise comptable, froide, sans remarque, sans jamais réaligner les objectifs de ses contours, est devenue destructrice. Destructrice pour la médecine de ville, nous le voyons bien maintenant. Pour les hôpitaux, un tiers sont en faillite. Pour les EHPAD, beaucoup ne savent pas du tout comment ils vont payer la facture d'électricité cet hiver. Pour tous les soins de libéraux qui maintenant font des soins à des pratiquement non seulement à prix coûtant, mais doivent payer leur essence pour pouvoir se déplacer chez les patients. Et que dire des soins de néonatologie, dont on sait que nous sommes passés de la 3e à la 20e place en matière de mortalité infantile. Alors pour tout ça, évidemment, nous nous opposerons à cet ONDAM qui reste malgré tout le plus mauvais outil qui soit. Et je vous demanderai véritablement pour les années prochaines de réviser complètement cet outil qui ne sert plus à rien si ce n'est à vraiment gêner le système de soins français. Merci. Merci, Madame la députée. Pour le groupe LFI, Monsieur Maudet. Merci, Monsieur le Président. Hier, on nous a dit, je cite, « Non, il n'y a pas 3 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital. » Bon, il y a la Fédération hospitalière de France, dont le président, quand même, n'est pas de l'amicale de la CGT ou d'autres syndicats, qui dit que pour 2023, il manque 1,9 milliard d'euros, ne serait-ce que pour compenser l'inflation et les hausses de salaire. Il dit que pour 2024, il va manquer à peu près 2 milliards d'euros. Si vous décidez de ne pas donner... c'est à peu près 3,5-4 milliards d'euros. Si vous ne les donnez pas, alors que les établissements de santé en ont besoin pour tenir, comment ça s'appelle si ça ne s'appelle pas faire des économies sur le dos de la santé? Ils ont besoin d'argent pour fonctionner, vous ne les donnez pas. Ça, c'est des économies, non? Et hier, vous osez venir nous dire « Non, non, mais il n'y a pas d'économie de fait. » La vérité, c'est que vous faites de la rétention, au moins, vous faites au moins de la rétention d'argent à ce niveau-là, et que du coup, vous mettez en difficulté les hôpitaux. Ensuite,
sur la question des 1 milliard d'euros, la 1 milliard d'euros qui sont demandés à l'industrie pharmaceutique. Et là, pour le coup, je vais très franchement. Où est-ce que ces 1 milliard sont inscrits exactement dans le texte? Comme ça, on peut discuter plus tranquillement, parce qu'il y a l'article 4 sur la clause de sauvegarde, notamment, et le montant M, qui explique qu'en gros, il va y avoir près de 300 millions d'euros de cadeaux à l'industrie, et qu'en échange, l'industrie s'engage à baisser ses prix. Mais s'engage à baisser ses prix. On a déjà vu ça quand même, de donner de l'argent à l'industrie pharmaceutique, et à la fin, ils devaient s'engager à plein de choses, et finalement, ils ont fini par licencier des chercheurs, arrêter certains secteurs de recherche. Donc juste expliquez-nous à ce niveau-là, où est-ce que c'est écrit dans le texte, et comme ça, après, on peut un peu débattre plus tranquillement. Mais sur les hôpitaux, expliquez-nous en quoi enlever 4 milliards, enfin refuser de donner 4 milliards nécessaires, ça n'est pas des économies. Merci, monsieur le député. Monsieur Gedge, pour le groupe socialiste. J'ai un ordre de prise en compte qui ne correspond pas à ce qui est affiché, mais sauf si vous voulez que M. Bazin parle avant vous, mais sinon, c'est à vous que je donne la parole. Puis à M. Bazin. C'est vous qui présidez. Qui n'a pas fini. Merci, Monsieur le Président. L'article liminaire rejeté. L'article premier rejeté. Si tout le PLFSS pouvait être soumis au vote de cette Assemblée, je peux vous assurer que votre PLFSS serait rejeté comme il a été rejeté en commission des affaires sociales. Le seul argument que vous avez trouvé à rétorquer jusque-là était de dire il n'y a pas de PLFSS alternatif. Mais nous vous assurons qu'il y a des PLFSS alternatifs, qui sont ceux qui d'abord partent des besoins, et notamment ceux qui tiennent compte des besoins hospitaliers, en soins de ville, pour les établissements médico-sociaux, et qui n'est pas un PLFSS dans lequel l'ONDAM, en première lecture, si j'ose dire, et même rectificatif, est notoirement insuffisant pour permettre tout simplement aux professionnels de santé dans les établissements hospitaliers comme aux professionnels médico-sociaux de travailler dans des conditions qui soient satisfaisantes pour accueillir l'ensemble des patients ou des résidents des EHPAD. C'est ça. La première alternative, c'est de partir des besoins, et pas des besoins virtuels, pas des besoins complètement fantasmés. Encore une fois, nous nous appuyons sur les projections que la Fédération hospitalière de France, qui était déjà juste l'année dernière, et vous les rectifiez, mais insuffisamment, cette année encore. Pourquoi ne pas tenir compte de ces acteurs de terrain qui nous disent que ça ne passe pas? Enfin, dernière chose, et je veux, dans le prolongement de Pierre Dharréville, vous dire, monsieur le ministre, qu'il faut désormais que vous nous répondiez franchement et clairement sur les franchises médicales, en l'absence d'Aurélien Rousseau, dont je ne sais pas s'il pense exactement la même chose. Vous nous avez dit à l'instant, nous sommes favorables à l'augmentation, en l'occurrence au doublement des franchises médicales. Et nous avons inscrit 800 millions d'euros dans le budget pour les mettre en œuvre. Donc répondez à cette question simple. Allez-vous prendre donc un décret de doublement des franchises médicales et à quelle date pour qu'elles entrent en vigueur, sachant que j'ai appris ce matin qu'il fallait un délai de 2 mois à 4 mois pour la mise en œuvre de ce doublement. Donc une réponse simple. Merci à cette question précise, s'il vous plaît. Monsieur Bazin. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci d'être présent. Vous êtes courageux, mais je dois vous avouer ma grande frustration que le ministre de la Santé et de la Prévention, que la ministre en charge de l'autonomie et des familles ne soient pas présents. Alors, il n'était pas là en commission, mais on est sur l'article 2. Cet article 2, il fixe les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et rectifie les sous-objectifs. Ça nous permet d'évoquer et de partager ensemble sur le contexte. Est-ce que les mesures que vous avez prévues vont dans le bon sens? Certaines, oui, je dois l'admettre. Vous avez pris en compte les revalorisations salariales. Il y a encore des oubliés. C'est l'occasion, à travers ce débat, de les mentionner. Encore faut-il nous en laisser la possibilité. Avez-vous, par exemple, intégré les futures négociations conventionnelles pour revaloriser les professionnels de ville? C'est une vraie question. On a besoin de pouvoir la soumettre. Alors, vous êtes là. J'imagine que les collaborateurs de vos collègues ministres vont pouvoir leur relayer les questions. Mais c'est quand même un peu dommage, alors qu'on commence à peine l'examen de ce projet de loi de financement de sécurité sociale, que la représentation nationale ne soit pas considérée par les ministres de plein exercice de ces compétences-là. On a des vrais soucis sur les sous-objectifs de dépenses relatives aux établissements de santé, qui apparaissent manifestement insuffisants.
on a une inflation qui est très importante. Aujourd'hui, on siège pour un certain nombre dans des conseils de surveillance d'hôpitaux, dans des conseils d'administration de maisons de retraite. L'inflation est monstrueuse. On a un vrai problème, on ne sait pas comment boucler les budgets, ce qui retarde des investissements nécessaires pour améliorer les conditions de travail des professionnels, des conditions de vie des résidents. Or, qu'est-ce qu'on fait? On attend les crédits non renouvelables de l'ARS. C'est ça la réalité sur le terrain. Et aujourd'hui, on a besoin de répondre, est-ce que les correctifs que vous apportez sur l'ONDAM sont à la hauteur? Aujourd'hui, on a, la FEA, par exemple, vous dit qu'il manque 1,5 milliard d'euros pour les dépenses relatives aux établissements de santé, 300 millions pour les établissements pour les personnes âgées, 170 millions pour le handicap. On a besoin de réponses, on a besoin d'en débattre. Merci. Monsieur Pétavi, pour le groupe écologiste. Merci, monsieur le Président. Alors, le groupe écologiste s'interroge sur la sincérité du budget. Je vous vois sourire, Madame Rist, on l'a rappelé, je l'ai rappelé régulièrement en commission, cette question de la sincérité du budget. De PLFSS en PLFSS, en raison de sa surexécution, l'ONDAM n'a de cesse d'être rectifié. Et vous nous dites que c'est le propre même de l'ONDAM. À titre d'exemple, s'agissant de l'ONDAM hospitalier pour 2023, donc l'ONDAM hospitalier en PLFSS, donc en 2023 initial, était présenté à 100,7 milliards. Il a ensuite été corrigé pour être porté à 101,3 milliards, soit un delta de 0,6 milliards d'euros. Il est à nouveau rectifié en 24 pour être porté à 102,5 milliards d'euros. Ce différentiel total d'1,8 milliard d'euros, c'est de l'argent qui a manqué. Et mon collègue Bazin l'a évoqué, Gage également, Daréville aussi. On voit aujourd'hui comment les systèmes, le système hospitalier est en difficulté. Et je crois que pour tous les directeurs d'établissement, nous avons besoin d'une visibilité. Et ce que vous proposez aujourd'hui n'est absolument pas à la hauteur dans un système qui est au bord de la rupture d'avoir quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Ah oui. Oui. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance, monsieur Alauzé. Merci, monsieur le président. Puisque la question des franchises médicales revient régulièrement, et je ne doute pas que ce sera l'objet de discussions fréquentes, je voudrais m'assurer ici, dans cet hémicycle, chacun des collègues sont bien préoccupés par le bon usage des soins. Et quand on parle de bon usage des soins, il faut notamment prendre en compte le fait que dans ce pays, dans notre pays, nous consommons beaucoup trop de soins, de médicaments, notamment d'examens complémentaires divers et variés, et que ça a des incidences. Ça a des incidences, bien sûr, sur le budget de la sécurité sociale, si j'évoque des questions triviales, mais aussi sur la santé de nos concitoyens. On sait que le trop de médicaments provoque des effets secondaires qu'on appelle iatrogènes et beaucoup d'inconvénients. Donc cette question n'est pas interdite, elle est au contraire conseillée à chacun d'entre nous de s'interroger sur un meilleur usage des soins. Et un meilleur usage des soins, c'est baisser les volumes. Et si nous arrivons à baisser les volumes, que l'ensemble de la société s'y met, les médecins, les patients, nous tous, eh bien nous ferons des économies bien supérieures aux 800 millions qui sont projetés avec l'éventuelle baisse de franchise. Donc j'espère que chacun prendra ses responsabilités. J'ajoute pour ceux qui s'intéressent à l'écologie que la santé, c'est 8% des rejets des gaz à effet de serre, que les médicaments, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. À titre d'exemple anecdotique, vous indiquerez que le traitement de la cataracte, sur une année, génère l'équivalent en gaz à effet de serre de 400 fois le tour de la Terre. Donc, si on s'intéresse aux comptes publics, si on s'intéresse à la santé de nos concitoyens, si on s'intéresse à l'écologie, on a le souci de baisser le volume et on évitera la baisse des franchises. Voilà, à vous les responsabilités. Merci, chers collègues, chacun va avoir la parole. C'est maintenant pour le groupe démocrate, c'est monsieur Isaac Sibyl. Chers collègues, stop. Allez-y, monsieur Isaac Sibyl. Merci, monsieur le président. Concernant 2023, on arrive effectivement avec un ONDAM à 247 milliards d'euros. Moi, je me souviens effectivement, il y a 6 ans, lorsque je suis arrivé dans l'hémicycle et qu'on a discuté effectivement du premier PLFSS, ce chiffre était de moins de 200 milliards. En 6 ans, le chiffre de l'ONDAM est passé de 200 et cette année, on va passer les 250 milliards. On a 50 milliards de plus en 6 ans, ça fait plus de 25%.
je pense qu'effectivement, il faut s'interroger pourquoi est-ce qu'on dépense en 6 ans 25% de plus. Est-ce que c'est parce que les Français vont moins bien? J'interroge. Est-ce que effectivement c'est le vieillissement de la population? Est-ce que c'est les maladies chroniques? Je pense qu'une partie de la réponse est dans ces questions. Se pose aussi le problème de l'organisation de notre système de santé. Et je pense que là-dessus, on a, et c'est un petit peu le but de ce PLFSS, c'est qu'on a du travail à faire, non seulement pour baisser les dépenses, et c'est tout l'intérêt de la prévention, d'avoir une politique systémique de prévention pour éviter les maladies chroniques, pour éviter toute la santé mentale qui prend de plus en plus d'importance, pour éviter les arrêts de travail. Et c'est un petit peu le but de ce PLFSS. C'est une partie des réponses à cette augmentation de 25% en 6 ans qui est dans ce PLFSS. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe GDR, Monsieur Daréville. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais me féliciter de la suppression de l'article 1er. Nous avions l'année dernière choisi de supprimer, y compris le fait de charger la CADES de la dette Covid, hein, des 18,3 milliards d'euros. Donc il y a de la suite dans les idées finalement de ce point de vue-là. Et tant mieux, parce que cet argent, même si c'est symbolique, puisque une partie a déjà évidemment été remboursée, ça peut être réutilisé notamment dans le système hospitalier, mais sans doute aussi ailleurs. L'ONDAM a des effets, et notamment sur l'hôpital public. Moi, je vois dans l'hôpital de Martigues, devant lequel il y avait un grand rassemblement syndical il y a quelques jours de cela, pour s'inquiéter, hôpital qui a connu un taux d'activité supérieure à celui de 2019, avec un engagement très fort des personnels pour y parvenir, et bien cet hôpital demeure avec un exercice déficitaire. Quel est le message qu'on envoie? En réalité, on voit bien qu'il y a un problème concret qui se pose avec les chiffres que nous avons ici sous les yeux et qu'on ne peut pas en rester là. Monsieur Allauzé évoque l'impact écologique des soins. J'espère que c'est, et j'imagine que c'est pas ça, que c'est pas un appel à ne pas se soigner pour protéger l'environnement, parce que ça serait une manière d'opposer les choses qui serait scandaleuse. Mais on pourrait calculer évidemment l'impact d'un certain nombre de choses. Lorsqu'on fait des GHT gigantesques et qu'on fait circuler des véhicules entre établissements en regroupant des services alors qu'on pourrait peut-être mieux irriguer les territoires, oui, ça a aussi un impact environnemental. Enfin, on parle de l'ONDAM, j'en dirai quelques mots sans doute tout à l'heure pour dire à quel point il a des effets néfastes. Nous avions proposé un ONDEC, l'objectif national de dépenses d'exonération de cotisations. Ça serait un bon objectif à se fixer en visant la baisse évidemment des exonérations massives de cotisations, ce qui nous donnerait de la marge pour répondre aux besoins. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon, monsieur Valtou. Oui, merci, monsieur le président. Cet article est important parce qu'il va permettre effectivement de valider les moyens qui vont permettre aux acteurs de santé non seulement de terminer l'année, mais surtout effectivement de ne pas être dans des situations financières qui soient totalement décalées. L'ONDAM, on lui fait porter beaucoup de choses. C'est un peu comme la T2A. On dit beaucoup de choses sur la T2A et on met un peu la misère du monde aussi sur l'ONDAM. Quand j'entends Mme Ménin dire que l'ONDAM est à l'origine de tous les maux de notre système de santé, je suis un peu étonné. L'ONDAM, si on le rectifie, c'est justement pour accompagner les dépenses de ville. Parce que les dépenses de ville, l'assurance maladie est un payeur aveugle sur les dépenses de ville. Il y a les prescriptions et l'assurance maladie, je veux dire, ne limite pas les opérateurs libéraux dans leurs prescriptions, dans leurs actes. Et on constate qu'effectivement, il faut accompagner aussi ces dépenses de ville. Et donc, parmi les 2,8 milliards supplémentaires qui figurent dans cet article, parce que là, on parle d'un article qui donne à l'ONDAM 2023 2,8 milliards d'euros supplémentaires, il y a effectivement le constat que les dépenses de ville, et ce n'est pas une critique, c'est un constat comptable, que les dépenses de ville ont augmenté plus fortement que prévu. Et comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, l'ONDAM, c'est un objectif. Et donc, évidemment, qu'on aligne, on adapte, on ajuste cet objectif au fil de l'année, à la réalité des dépenses, des besoins, mais aussi des décisions politiques. Les 2,8 milliards d'euros, c'est aussi pour couvrir les rémunérations, les mesures de revalorisation salariale décidées au mois de juin dernier. Et bien voilà, ils sont couverts par cet article.
article. C'est aussi pour faire permettre de financer les dépenses Covid qu'on a constatées cette année, parce que le Covid est loin d'être derrière nous, et donc il faut aussi accompagner les établissements de santé, les professionnels de santé dans la couverture du Covid. Il y a encore des mesures des dépenses exceptionnelles. Donc toutes ces dépenses-là, elles sont résumées dans cet article. Alors je vois bien le jeu des premiers amendements qui vont consister une fois de plus à vouloir supprimer cet article, mais si on supprime cet article, et on y reviendra lors de l'examen des amendements, si on supprime cet article, ça veut dire qu'on ne couvre pas des dépenses pourtant déjà faites. Merci, monsieur le député. Nous avons pris tous les inscrits par groupe qui l'ont souhaité. Nous allons maintenant examiner les amendements de suppression. Le 48, monsieur Gedge. Merci, monsieur le président. Cher Frédéric Valletoux, pas vous, pas ça. Nous dire que supprimer, pas ici aussi, nous dire que supprimer cet article, ce serait priver les établissements et les services des moyens supplémentaires qui sont adossés, ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu que nous débattons. Et je ne vous ferai pas l'injure de rappeler que dans l'exposé des motifs de l'amendement de suppression, eh bien je prends appui sur la grande et belle Fédération hospitalière de France que vous avez présidée, monsieur Valletoux, et qui elle-même nous dit que les moyens qui sont mis sur la table ne sont pas suffisants pour couvrir à hauteur des conséquences de l'inflation. Ils nous disent qu'il manque 1,5 milliard au titre de l'inflation, dont 1 milliard pour l'hôpital public, ainsi que pour les mesures de soutien au pouvoir d'achat des agents de la fonction publique ou pour celle de revalorisation des sujétions pour les agents publics hospitaliers. Et on a le même type de problème dans les EHPAD. Et force est de constater, malheureusement, nous aurions aimé pouvoir amender ce PLFSS pour pouvoir le compléter. Vous savez que ça ne nous est pas possible. Donc la seule chose que nous pouvons faire quand le compte n'y est pas, c'est de supprimer cet article, d'envoyer ce signal tonitruant de dire que, oui, dans l'hémicycle, il y a des parlementaires qui sont au diapason de la souffrance des soignants, de la souffrance des personnels, de la souffrance de tous ceux qui accompagnent cela. Et cela, je peux vous dire qu'ils n'hésitent pas à utiliser le terme d'austérité. Monsieur le ministre Cazenave nous dit non, c'est pas l'austérité. Mais allez voir dans les services hospitaliers, allez voir dans les EHPAD, allez voir dans tous les établissements qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes malades. Pour eux, ils la vivent, l'austérité. Ils la sentent dans les difficultés de remplacement, dans les difficultés de recrutement, dans les difficultés de boucler les budgets et les conséquences de l'inflation sur eux. Donc oui, nous devons supprimer cet article. Vous vous en foutez allègrement parce que vous allez passer avec un 49-3, mais nous sommes dans notre rôle d'être ici les relais de la colère et de la désespérance des personnels. Merci, monsieur le député. Sur le 249, monsieur Pétavy. Merci, monsieur le président. Alors, par cet amendement, nous appelons à la suppression de l'article 2 qui rectifie pour l'année 2023 l'ONDAM et ses sous-objectifs. D'abord, la rectification de l'ONDAM proposée n'est pas à la hauteur des besoins de financement remontés par l'ensemble des fédérations hospitalières. Compte tenu de l'absence de prise en compte pour 2023 des coûts de l'inflation et des mesures de revalorisation du travail de nuit et des gardes, un abondement de l'ONDAM hospitalier de 1,9 milliard d'euros est nécessaire. Nous en sommes aujourd'hui très loin du compte et ne pouvons s'inscrire à la rectification telle que vous nous la présentez aujourd'hui. Mais nous avons également, comme je le disais tout à l'heure, un problème sur la forme. Que dire d'un ONDAM qui n'a eu de cesse d'être rectifié cette année ? Comment les hôpitaux peuvent-ils durablement prévoir leur trajectoire financière avec un tel micmac budgétaire ? Les hôpitaux ont besoin de stabilité financière et d'une trajectoire pluriannuelle afin de répondre au mieux aux enjeux sanitaires de plus en plus pressants. Ainsi, si l'espérance de vie s'allonge, les maladies chroniques s'accroissent également, nous ne pouvons prévoir un budget pour notre système de soins à la hauteur si nous n'intégrons pas que notre précieux modèle de protection sociale s'effondrera sans investissement massif dans la prévention et la pleine santé. Donc l'article 2 perpétue cette logique de plafonnement des dépenses au détriment d'une planification écologique et sociale de la santé. Nous ne pouvons souscrire à cette régression sociale et appelons donc à la suppression de cet article. Merci, monsieur le député. Je vous informe que je prendrai un intervenant par groupe politique. Je vous laisse vous organiser par groupe, parce qu'il y a plusieurs demandes parfois par les groupes. Donc je vous laisse vous organiser, mais il y en aura un par groupe politique. Comme ça, vous me faites remonter vos demandes de parole. En attendant, le 10-43 pour M. Dharréville, qui présente cet amendement. Et je prends vos inscriptions par groupe. Merci, M. le Président. Bon, cet article 2, effectivement, rectifie l'ONDAM et ses sous-objectifs à hauteur de 2,8 milliards d'euros au regard de l'ONDAM initialement fixé par la loi de finances rectificative. Ce qui est clair, ce qui est évident, c'est que l'ONDAM, volontairement contraint et insuffisant, comme c'est ce que vous nous proposez à nouveau, en dessous de
l'inflation à l'époque et de la hausse tendancielle des besoins de santé. Il est fatalement surexécuté et systématiquement surexécuté au bout du compte. Voilà, c'est ça. Donc il y a un effet de l'ONDAM. C'est-à-dire qu'on cherche à peser au maximum et à contraindre les dépenses, à compresser les dépenses de protection sociale et de santé. La Fédération hospitalière de France a chiffré les besoins de financement supplémentaires à au moins 3 milliards d'euros pour que l'ensemble des établissements puissent boucler leur budget 2023. Sans cette rallonge budgétaire, ça signifie que ces établissements vont repartir pour 2024 avec déjà un déficit aggravé, une fragilité conséquente. Donc, un mauvais ONDAM au départ, vous auriez pu vous rattraper, mais non, une mauvaise rectification et donc un mauvais signal envoyé. Dans le détail, un peu plus d'un milliard d'euros serait nécessaire pour absorber les seuls effets de l'inflation. Un autre milliard manquerait pour compenser intégralement les mesures de soutien du pouvoir d'achat dans la fonction publique, appliquées à compter du 1er juillet par les établissements publics de santé. 400 millions seraient nécessaires pour financer jusqu'au 31 décembre 2023 les mesures prises, mises en place à l'été 2022 pour rendre attractif le travail de nuit et les gardes. 500 millions enfin attendus pour les établissements et services médico-sociaux afin de compenser les mesures de revalorisation salariale annoncées par le gouvernement, mais aussi les impacts de l'inflation qui ne sont pas couverts par une hausse suffisante des tarifs d'hébergement ou dépendance. Donc cet article 2, en réalité, démontre toute l'incohérence de l'ONDAM et ses effets pernicieux sur notre système de santé. Ça fait quand même beaucoup de raisons pour rejeter cet article. Merci. Le 1643, Madame Melun. Merci, Monsieur le Président. Oui, déjà, je voudrais, comme mes collègues, après une heure et demie de débat, noter que Monsieur le ministre de la Santé et Madame la ministre de l'Autonomie manifestement n'ont pas que du retard, sont manifestement absents. Monsieur, mon cher collègue, vous nous disiez que vous accompagniez l'ONDAM. Et en même temps qu'on nous dit qu'il est accompagné et qu'il augmente cette année, c'est quand même heureux. En même temps, on nous dit qu'il faut trouver 6 milliards d'euros d'économies. Alors, excusez-moi quand même, comment fait-on pour à la fois accompagner et en même temps donner des coups de rabot à hauteur de 6 milliards d'euros? Sachant que dès à présent, de tous les côtés, il apparaît que cet ONDAM est sous-estimé, ne serait-ce qu'au plan hospitalier. Nous avons déjà 1,9 milliard qui serait nécessaire et je pense que c'est là l'étiage bas. Beaucoup d'hôpitaux nous signalent qu'ils ne peuvent même pas payer la facture d'électricité cet hiver, ni payer des salaires exorbitants, entre guillemets, concernant des personnels qu'on ne peut plus recruter du tout, comme les pharmaciens hospitaliers. Après, Monsieur le ministre, vous nous dites, oui, ce sera bien, l'inflation sera de 2,5. Bien évidemment, elle ne sera pas de 2,5. On ne peut pas passer de 5 à 2,5 dans un contexte de crise internationale multiple aussi facilement quant à la croissance sur laquelle vous vous fondez de 1,4. Tous les spécialistes s'accordent actuellement pour dire qu'elle ne sera difficilement supérieure à 1. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet ONDAM qui est totalement insincère. Merci, Madame la députée. Le 2773 n'est pas défendu. Le 3053, qui le présente, Madame la Présidente Fiat. Merci, Monsieur le Président. L'année dernière, s'il n'y avait pas eu de 49.3, vous nous auriez laissé, chers collègues, vous expliquer que votre ONDAM pour 2023 était insuffisant. Là, vous nous auriez expliqué qu'on avait tort, on vous aurait expliqué qu'on avait raison, enfin bon, même chose que chaque année. Et là, on sera arrivé en vous disant on avait raison, mais on vous l'a expliqué en commission. Un 49.3 va arriver, certainement, vu le nombre que vous êtes en fin d'après-midi, pour nous empêcher de vous expliquer que l'ONDAM 2024 est insuffisant, je préfère le dire maintenant. Et l'année prochaine, vous allez arriver pour nous dire « Ah zut, on n'a pas prévu assez, on va mettre une rallonge ». Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que la rallonge que vous mettez, parce que vous n'aviez pas prévu assez, est encore insuffisante. Et ce n'est pas que les oppositions qui vous le disent, c'est les syndicats, c'est les associations, c'est la Fédération hospitalière de France, c'est tout le monde qui vous alerte sur le fait que la rallonge que vous ajoutez est insuffisante. Et vous m'excuserez, et pas d'interpellation, donc je vais parler à vous, Monsieur le Président. J'ai été vraiment choquée, Monsieur le Président, d'entendre dans cet hémicycle que nous pourrions faire des économies dans notre pays si les Français ne tombaient pas malades. Vraiment, je ne pensais pas que nous en arriverions là un jour. Bien, sur le vote de ces amendements identiques, je suis saisi par les groupes Renaissance, France Insoumise, Écologiste, GDR d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai bien compris depuis la commission de la semaine dernière et les débuts de l'examen que si je vous redis qu'on a augmenté l'ONDAM 2023 parce qu'il en a revalorisé les professionnels, il fallait le faire, parce qu'on s'est adapté à l'inflation, qu'on l'a augmenté de 2,8 milliards d'euros. J'ai bien compris que cette augmentation de 4,8% ne vous convenait pas et ne suffisait pas. Redire ici, et notamment à M. Guedj, parce que j'ai été heurtée par les propos que vous tenez, et ce n'est pas habituel pour vous, comme quoi aucun des députés de la majorité n'irait dans leurs établissements, écouter les difficultés des établissements. Enfin, vous avez dit que vous portiez la colère et nous expliquer que les établissements aient difficulté. Nous sommes tous au contact de nos établissements, que ce soit les EHPAD ou les hôpitaux. Je travaille moi-même le lundi matin. La colère, c'est bien, mais il faut agir. Nous agissons en essayant d'améliorer l'attractivité après une période de Covid où les professionnels se sont éloignés des métiers du soin et de l'accompagnement aux personnes. C'est pour ça aussi que nous réactualisons l'ONDAM. Nous agissons quand nous avons enfin mis fin au numerus clausus. Ça aurait été bien de le faire avant. Parce que ce que je constate, même si mes chiffres vous conviennent pas, enfin les chiffres du texte ne vous conviennent pas et ne vous convainquent pas, ce que je constate quand même, c'est qu'en 5 ans, nous avons mis 54 milliards de plus dans les dépenses d'assurance maladie, que la gauche avait mis 10 milliards de plus pendant le mandat, que la droite, c'était 20 milliards. On est donc 5 fois plus. Mais pourquoi ? Parce qu'on peut considérer ici qu'effectivement, on a besoin de dépenses de santé. On l'a dit tout à l'heure, les dépenses, elles sont liées aux richesses, donc il faut que nous continuions à produire plus de richesses. Mais enfin, ce n'est pas le seul sujet des difficultés de nos établissements de santé. Et nous devons poursuivre le travail pour améliorer, et je ne suis pas sûre, pour améliorer l'attractivité. Et je ne suis pas sûre de dire que travailler dans un hôpital, c'est l'horreur, c'est l'austérité. Travailler dans une EHPAD, c'est l'horreur, c'est l'austérité. Donne envie à nos jeunes, et il y en a beaucoup dans ces tribunes, à faire des métiers du soin qui sont les plus beaux métiers dans ce pays. Merci, Madame la rapporteure générale. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président. Chers collègues, vous laissez le ministre vous répondre. Alors, s'agissant des questions qui ont été posées sur l'efficience à l'hôpital, je le redis, il y a des économies prévues. Pas de 3 milliards d'euros, de 600... Non, mais lisez les annexes du PLFSS, de 600 millions d'euros sur les mesures d'efficience, sur la politique des achats et sur la pertinence et l'efficience des soins. C'est les chiffres, monsieur le député, qui vous sont présentés. Et je vous réponds aussi sur un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Vous y êtes revenu sur la baisse des prix des médicaments. Je vous renvoie à l'annexe 5. Et vous trouverez l'effort qui est demandé aux industriels pour baisser leurs prix. Et donc après, il y a une négociation qui s'engage avec les industriels pour choisir précisément comment se fait ce milliard d'euros d'économies sur les prix des médicaments. Et donc, il y a bien un effort qui est fait par les industriels et tout ça se fait dans le cadre du CEPS. Sur les revalorisations salariales, tout est compensé aux établissements de santé. Les 6 milliards d'euros en année pleine pour 2024, qui est quand même l'occasion, là aussi, de redire que ce n'est pas un PLFSS d'austérité, compte tenu des mesures salariales continues qui sont prises à destination de nos soignants, 6 milliards d'euros en année pleine en 2024 et les effets du Ségur à hauteur de 10 milliards d'euros. La question de l'inflation, qui est un vrai sujet pour les établissements de santé. Déjà dans l'ONDAM 2023, nous avons prévu 800 millions d'euros pour les établissements de santé, pour les charges non salariales, donc pour compenser les effets de l'inflation, et 200 millions d'euros pour les établissements médico-sociaux. On a bien conscience, il y a des établissements qui nous saisissent de la question de l'effet de l'inflation et il y a un travail en cours avec l'ensemble des fédérations pour mesurer plus précisément les effets de l'inflation. Et donc le travail n'est pas terminé, il continue dans le dialogue. Sur la question de M. Bazin, sur l'impact des négociations conventionnelles avec les médecins,
la trajectoire de l'ONDAM dans la LPFP, que nous avons eu l'occasion de présenter, prévoit en effet une enveloppe qui intègre l'effet des négociations et de l'aboutissement des négociations conventionnelles, mais pas de répartition par professionnel. Voilà, il y a un travail là aussi en cours. Et Monsieur Gage, je peux revenir et redire, ce que j'ai déjà dit sur les franchises et participations forfaitaires. Vous redire ici que ce n'est pas, et vous le savez très bien, Monsieur Gage, ce n'est pas de niveau législatif, c'est d'un niveau réglementaire. Est-ce que je peux essayer de vous répondre. Est-ce que ce sujet-là, on l'a mis sur la table? Oui. Est-ce que c'est la seule mesure de responsabilisation et d'économie? Non. On a besoin d'un bouquet de mesures. Pour prendre ce type de mesures, il s'agit d'un acte réglementaire soumis à des concertations et de consultations préalables. Et vous le savez très bien, Monsieur Gage. Donc je ne vais pas vous annoncer ici une décision qui dépend de consultations auprès d'un certain nombre d'acteurs dont il est indispensable avant de prendre une mesure réglementaire. Donc moi, j'assume, comme on l'a fait avec le ministre de la Santé, de dire on pense que c'est un sujet et un des leviers qu'on doit pouvoir activer, mais encore faut-il procéder aux consultations préalables. Et c'est ce que nous allons faire pour respecter les procédures que nous sommes nous-mêmes fixées. Et enfin, moi, je veux bien qu'on supprime chacun des articles du PLFSS. Vous l'avez dit. D'ailleurs, c'est assez cohérent avec ce qui s'est passé en commission. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Gage, vous êtes incapable de faire un PLFSS alternatif. Incapable, parce que vous ne dites pas la même chose de parler de cet hémicycle. Donc arrêtez de nous dire que vous êtes capable d'arriver avec un PLFSS alternatif. Il n'existe pas, votre PLFSS alternatif. Et donc la question, et la question qui nous est posée, c'est on fait quoi demain? C'est comme le budget, on fait quoi demain? Pas de budget pour l'État, on s'arrête au 31 décembre sans rien. Et pour la santé, c'est pareil. Pour nos hôpitaux, c'est... Donc nous, en responsabilité, on vous redit qu'on a besoin d'un texte. On a besoin d'un texte. Pour toutes ces raisons, j'ai un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, il y a un intervenant par groupe, si les groupes le souhaitent. Le premier, et pour le groupe des Républicains, c'est Monsieur Neuder. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, mais arrêtons cet argument fallacieux. C'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec votre projet de loi de finances de la Sécurité sociale, comme nous ne sommes pas d'accord avec votre projet de loi de finances, que nous ne souhaitons pas de budget pour la France. Nous ne souhaitons pas ce budget-là. Nous voulons d'autres budgets. Nous voulons des budgets qui faisaient des économies, bien au-delà des 16 milliards que vous avez maigrement proposé dans le projet de loi de finances. Donc, attention, écoutez les propositions et nous aurons d'autres budgets. Par contre, notre ligne rouge, elle n'est pas d'économie sur le dos de la santé des Français. Et j'aimerais quand même bien que vous répondiez à un certain nombre de questions. Parce que finalement, vous nous contraignez, on espérait parler santé, mais le ministre, évidemment, ne daigne venir parler au Parlement de la santé. Donc, nous allons faire effectivement avec le ministre de Bercy. Mais quelle image vous envoyez à l'ensemble des Français qui nous regardent? Donc, finalement, la santé en France n'est qu'une question budgétaire. Eh bien non, je suis désolé, la santé n'est pas qu'une question budgétaire. On doit parler à des patients, on doit parler à des établissements. On vous a redonné les chiffres. 50%, monsieur le ministre, de nos hôpitaux sont en déficit. 50%. 60% de nos EHPAD. On a des médecins, on a des maires, pardon, en Bretagne qui envisagent de financer leurs EHPAD. Est-ce que vous attendez de nouveaux mouvements des Gilets jaunes, de nouveaux mouvements des Bonnets rouges pour réagir? On a 40% de notre hospitalisation privée qui est déficitaire. Le privé n'a pas, entre guillemets, le luxe du public et on aura probablement des licenciements avec encore l'aggravation de déserts médicaux car oui, parfois, dans certains endroits, il n'y a que le privé qui assure l'offre de soins. C'est comme ça. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça. Donc, je pense que quand même, l'image que vous donnez a résumé toutes les questions de santé sur un texte budgétaire. On a déjà dénoncé l'absence de programmation de santé pluriannuelle. Vous enfoncez le clou en disant qu'on nous sommes maintenant contraints de rester dans l'exercice budgétaire. Donc c'est une question dont les arbitrages, on le comprend bien. Merci, et vraiment, ça explique monsieur pourquoi le ministre ne vient pas là. Merci. C'est qu'il n'a pas les clés en main et que c'est bien. Pour le groupe Renaissance, Madame Vidal. Merci, monsieur le Président. Alors, vous voulez supprimer cet article, vous voulez supprimer finalement l'ajustement de l'ONDAM,
qui, somme toute, reflète la réalité des dépenses à ce jour sur un budget qui reste encore prévisionnel, puisque comme chaque année, les dépenses constatées réelles de l'ONDAM seront finalement ajustées sur le prochain PLFSS. C'est la règle à chaque fois. Et par ailleurs, laissez-moi parler, je vous ai écouté, monsieur, quand vous vous êtes exprimé. Merci. Par ailleurs, je ne peux pas non plus entendre qu'il y aurait dans cet hémicycle des députés qui porteraient la souffrance des soignants et des personnels du médico-social et d'autres qui n'en auraient rien à faire parce qu'il y aura un 49-3. Parce que toutes et tous ici, nous sommes très attachés à ces questions. Toutes et tous ici, nous allons dans nos établissements et nous sommes auprès des personnels soignants. Et permettez-moi de vous rappeler qui a initié les revalorisations du Ségur. C'est nous. Qui a accompagné les professionnels sur l'inflation? C'est nous, les Français. Ce sont les Européens qui ont été le mieux accompagnés par rapport à l'inflation. Et enfin, oui, dans les établissements sociaux et dans les établissements sanitaires, il manque des professionnels. Mais il ne manque pas des professionnels que par manque de postes budgétés. Dans beaucoup d'établissements, ce sont des postes budgétés non pourvus qui manquent. Donc ne remettez pas tout sur la budgétisation des postes. Chers collègues, vous allez vous exprimer. Réfléchissons à l'attractivité des métiers. Merci, madame la députée. Pour le groupe écologiste, madame Rousseau. Merci, monsieur le président. Alors, en fait, là, ce dont on vous parle, c'est non seulement de la colère, mais c'est aussi l'état d'épuisement et de craquage de l'hôpital. Et en fait, j'entends que vous le savez, mais manifestement, vous n'en tirez pas toutes les conséquences puisque les propositions budgétaires que vous faites sont très en deçà des besoins. Et ce qui me fascine depuis l'examen en commission de ce texte, c'est à quel point jamais il n'est question de la qualité des soins. Le mot qualité n'a quasiment jamais été abordé. Donc nous sommes dans un exercice comptable qui ne prend pas la question à bras-le-corps de la qualité des soins pour tous et toutes dans notre système de santé publique. Après, je voudrais juste revenir parce que quelque chose m'a fascinée dans les prises de parole, c'est que pour la première fois, vous convoquez l'écologie. C'est beau ? Vous auriez pu le convoquer au moment où il s'agissait de taxer les grandes entreprises et les super profits de pétrole. Vous auriez pu convoquer l'écologie au moment où il fallait faire une fiscalité plus juste. Vous auriez pu convoquer l'écologie aussi au moment où nous décidions, par exemple, de projets routiers. La 69, par exemple, va émettre 8000 tonnes de carbone. 100 000 opérations de la cataracte. Alors vivons dans une planète préservée et en y voyant clair. Chers collègues, chaque groupe a la parole. Ça ne sert à rien d'hurler sur l'intervenant qui s'exprime. Chaque groupe peut s'exprimer tour à tour. Donc c'est ce que nous faisons en écoutant M. Monnet pour le groupe GDR. Merci, M. le Président. Moi, M. le Ministre, je ne vous en veux pas du tout. Je vous en veux pas parce que votre truc, c'est les sous. Vous êtes ministre des comptes publics, je crois. La question des besoins, les politiques de santé, c'est pas votre travail. Et je regrette vraiment, j'insiste, qu'on n'ait pas le ministre de la Santé parce qu'on a besoin de parler politique santé dans ce pays. On a besoin de parler politique santé et on a besoin d'avoir des réponses. Donc du coup, je me fie à ce que les collègues de la majorité peuvent dire. J'ai le sentiment que quand vous avez préparer votre ONDAM et quand vous préparez vos dépenses, c'est un peu la même logique qui a présidé à la création du numerus clausus. Vous savez, le numerus clausus, où on a cru qu'en diminuant le nombre de médecins, on allait diminuer les dépenses de santé. Voilà. Et je pense que vous faites la même chose avec l'ONDAM. C'est une calculatrice. La deuxième chose qui me pose problème dans ce que j'ai écouté, chers collègues de la majorité, quand vous dites qu'il faut diminuer les dépenses de la santé de ville, mais vous rendez-vous compte dans quelle situation on est aujourd'hui ? C'est 6,7 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui. Et on annonce pour 2023 800 000 personnes en ALD qui n'ont pas de médecin traitant. Et dans ces conditions, il y a trop de dépenses de médecine de ville. Mais je pense qu'on ne vit pas dans le même monde, en fait, tout simplement. On ne vit pas dans le même monde. Et c'est pour ça que nous, on rejette ces articles, parce qu'on veut une autre politique de santé dans ce pays. Très bien. Merci pour le groupe Horizon, Monsieur Valtou. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Moi, je ne sais pas si c'est faire preuve de responsabilité, je ne sais pas si c'est faire preuve d'un signal positif,
d'accompagnement des soignants que de supprimer, comme vous le souhaitez le faire, l'article 2, l'article qui révise l'ONDAM, l'article qui augmente l'ONDAM de 2,8 milliards d'euros pour justement accompagner des dépenses supplémentaires. Elles ont été énumérées notamment par le ministre à l'instant. Je ne sais pas si c'est faire preuve de responsabilité de faire croire, comme l'a dit M. Guedj, qui m'a interpellé, je le nomme aussi, que de faire croire qu'il y aurait un PLFSS alternatif, parce que les débats en commission n'ont pas montré que vous aviez la même conception du PLFSS. J'ai vu sur ces rangs, et je montre le groupe RN, qu'on voulait supprimer l'AME. Je n'ai pas vu sur ces rangs, et je montre la NUPES, qu'on veuille par exemple supprimer l'AME. J'ai vu énormément de différences de ce type. Donc dites-le aux Français que finalement vous n'avez pas de solution alternative. Vous êtes juste dans la détestation de ce qui est proposé par la majorité et dans la déconstruction absolument de ce qui est proposé dans la majorité parce que ça ne vous convient pas. Après, sur le fond, je veux dire, il y a de l'argent supplémentaire qui est mis pour accompagner les professionnels de santé. Vous avez cité la Fédération hospitalière de France et vous avez raison parce que c'est effectivement des gens qui ont un regard tout à fait lucide sur la manière dont doit être conduite la politique de santé, qui chaque année rappellent qu'effectivement, dans les prévisions qui sont faites de l'ONDAM, on est en deçà des objectifs, qui chaque année regrettent effectivement que parfois il n'y en ait pas un accompagnement supplémentaire. La Fédération est dans son rôle d'effectivement de dire les choses. Mais là, il y a un effort de près d'un milliard d'euros simplement pour les établissements publics. Et à part lire les communiqués de la Fédération hospitalière de France, ça ne résout pas la totalité de l'ONDAM parce que les 2,8 milliards ne vont pas qu'à l'hôpital. Il y a une partie qui va à l'hôpital, il y a une partie qui va aux acteurs de ville, il y a une partie qui va au reste des professionnels de santé et aussi au secteur médico-social. Et puis, dernier mot, je ne suis pas là pour excuser l'absence du ministre, mais j'aurais du mal, moi, à titre personnel, de regretter qu'il soit présent, parce qu'il est, en ce moment, devant le Sénat, à défendre une proposition de loi sur l'accès aux soins, qui est une belle proposition de loi et qui me semble utile. Pour le groupe démocrate, M. Turquois. Chers collègues, on écoute M. Turquois. Vous ferez un rappel au règlement si vous voulez. Monsieur Turquois. Merci, monsieur le Président. Je vais rebondir, madame la rapporteure l'a fait, madame Vidal l'a fait, sur les propos de monsieur Guedj qui nous invitait à aller voir les EHPAD et les hôpitaux. Mais je pense, comme ça a été dit, que tout un chacun ici va le faire dans sa circonscription. Et quand on le fait, et monsieur Neuder l'a souligné, quand on le fait, on voit des différences de situation entre EHPAD. On voit des différences de situation entre hôpitaux, même si tout le monde a une certaine forme de difficulté. Et donc, je vous invite à vous questionner sur cette variabilité dans les difficultés. Un autre exercice que je vous invite à faire, monsieur Guedj, c'est un travail de comparaison avec nos pays voisins. Il n'y a aucun pays d'à côté de chez... du monde occidental qui dépense un tiers de sa richesse nationale pour la protection sociale. Et pour autant, je ne pense pas que la santé soit moins bien prise en charge dans nos pays, dans les pays voisins. Il faut peut-être se questionner des fois sur l'efficacité de notre dépense publique et notamment en matière de santé. Mon collègue Cyril Isaac-Sibille a parlé tout à l'heure de plus 50 milliards de l'ONDAM depuis 2017. J'ai regardé les chiffres. En fait, c'est plus 64. On était à 190 milliards en 2017. On est à 254 milliards. Est-ce que l'hôpital va mieux ? On n'a pas l'impression. Est-ce que la santé globalement va mieux ? On n'a pas l'impression. Est-ce qu'on peut se poser des questions autrement que de la dépense, mais aussi analyser pourquoi l'hôpital ne va pas bien, pourquoi les EHPAD ne vont pas bien ? Il y a aussi des problèmes d'organisation majeurs et il faut oser les regarder en face. Mais à force de toujours vouloir demander plus, à force de vouloir toujours critiquer, vous sapez l'organisation de notre modèle de protection sociale. Et en sapant, vous faites mal aux aidants, vous faites mal aux soignants et vous remettez en cause ce mode de protection. Ce sera de votre responsabilité. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, monsieur Mathieu. Ouais. Merci, monsieur le président. Donc écoutez, moi si je comprends bien, à part le gouvernement et quelques poignées de députés ici, tout le monde pense que cet ONDAM est insuffisant et une super inflation. C'est vraiment pas sérieux ce qui se passe. Madame Rist tout à l'heure a parlé de dette, de faire rouler la dette, des taux, du report de la charge de la dette. Lorsqu'il s'agit de faire suivre l'inflation aux obligations d'État, il n'y a pas de problème.
hein, pour préserver la rente de ceux que vous exonérez d'impôts à longueur d'année en leur donnant, à la place du prélèvement d'impôts qui ne s'effectue jamais, la possibilité de prêter de l'argent à l'État avec des taux d'intérêt qui sont au moins égaux à l'inflation pour préserver leur rente, il n'y a pas de problème. Moi, je ne doute pas, chers collègues, que vous, que toutes et tous, vous allez dans vos établissements et que vous discutez avec les soignants et que vous faites preuve de compassion vis-à-vis de leur situation. Mais expliquez-leur que vous préférez servir des taux d'intérêt au moins égal à l'inflation plutôt que d'améliorer leur quotidien. Expliquez-leur ça sur la dette. Expliquez-leur ça parce que c'est la réalité des choses. Vous préférez servir les rentiers sur le dos du système plutôt que de donner aux soignants les moyens de fonctionner. Alors, monsieur le ministre, en effet, vous êtes bien seul sur les bancs. Vous êtes le gardien des courants d'air du banc du ministre, des ministres, également le gardien de la mauvaise foi. Il va falloir arrêter avec « au 31 décembre, tout s'éteint s'il n'y a pas de budget ». Premièrement, vous savez qu'on attend le 49-3 hein, et que la 5e République vous permet de faire passer un budget en force. Quand même, vous n'avez pas oublié ça. Et puis, je vous invite à relire quand même l'article 47.1 de la Constitution. Vous verrez que même s'il n'y a pas de 49.3, même s'il n'y a pas de vote sur le budget, vous pouvez mettre le budget en vigueur par voie d'ordonnance. Il y a des manuels de première année de droit constitutionnel que je peux vous indiquer. Comme ça, vous pourrez faire votre culture sur cette question-là. Donc oui, nous débattons dans l'hémicycle, car nous avons encore le temps de débattre. Oui, nous donnons aussi nos contrepoints. Et oui, il pourrait y avoir un budget alternatif si jamais les députés de la Macronie commençaient à mettre leurs bonnes intentions en adéquation avec la réalité politique. Merci, monsieur le député. Pour le groupe RN, monsieur Frappé. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure générale. Monsieur le ministre, cet article 2 propose un ONDAM, effectivement, objectif national de dépenses d'assurance maladie, mais insuffisant par rapport aux demandes que l'on peut avoir, qu'il s'agisse des demandes des hôpitaux, qui portent à un chiffre quasi double, qu'il s'agisse des augmentations de salaire, qu'il s'agisse des soins de ville. On a oublié de parler également des établissements médico-sociaux, des EHPAD, dont la plupart sont en déficit et ont du mal à boucler. Vous proposez un ONDAM basé sur de la comptabilité. Vous n'écoutez pas les gens qui sont là et qui demandent du soin. Il faut considérer cet aspect-là. Nous ne refusons pas un plan de financement de la sécurité sociale. Nous refusons simplement cet ONDAM et ce plan. Merci. Au groupe socialiste, Monsieur Guedge. Non, c'est vous, le président Vallaud, pardon. Oui, merci. Simplement pour rappeler à nos collègues qu'il y a un an, nous votions un ONDAM qui, en valeur réelle, c'est-à-dire défalqué de l'inflation, était négatif et en recul de 0,6%, ce qui était absolument considérable. Et nous nous inquiétions déjà de la nécessité de faire des rallonges budgétaires. À l'époque, on nous expliquait, comme toujours, que c'était l'ONDAM le plus généreux depuis René Coty, comme toutes les réformes d'ailleurs accomplies par ce gouvernement. La réalité est là. Quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire le nombre d'actes délivrés à l'hôpital et le nombre de soignants supplémentaires, on prend bien conscience d'une chose, c'est que la charge de travail par soignant ne cesse d'augmenter et ça met nos hôpitaux en difficulté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous, on a eu la situation particulière de la Covid, mais si on regarde juste avant la Covid, après 18 mois de grève dans les services hospitaliers, nous remarquions une chose assez intéressante, c'est que le nombre d'actes délivrés dans les cliniques privées était pour la première fois de son histoire supérieur au nombre d'actes délivrés à l'hôpital public. Ce qui signifiait en creux que pour la première fois, nous avions un rationnement de l'offre de soins à l'hôpital parce que l'hôpital public n'en pouvait plus. C'était, vous savez, la fameuse question quand vous présentiez à l'hôpital, est-ce que c'est clinicable ? Et on envoyait ce qui était clinicable à la clinique. La réalité, c'est qu'on peut se poser la question des poches de productivité. On l'a entendu depuis longtemps. Les poches de productivité de l'hôpital public sont vides. Ou alors, il faut s'attaquer à ce chantier que vous refusez obstinément de voir, qui est celui de la gouvernance de l'hôpital public et qui est celui de l'hôpital entreprise, c'est-à-dire des modalités de la tarification. Il faudrait aussi s'attaquer à la question de la démographie médicale, des déserts médicaux, de la régulation de l'installation qui, au fond, sont un frein considérable au tournant ambulatoire qui est une condition pour mener un certain nombre des réformes. Ce n'est pas une vision comptable que nous proposons. C'est une vision de santé publique, donner à l'hôpital public les moyens de servir les soins que la population commande. Nous nous positionnons du point de vue des besoins en santé, là où vous êtes obsédés par l'offre de santé.
Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres inscrits pour les groupes. Monsieur le Ministre, vous souhaitiez la parole, vous l'avez. Je vais répondre à l'interpellation de certains d'entre vous sur l'absence d'Aurélien Rousseau, du ministre de la Santé. D'ailleurs, vous étiez moins nombreux hier soir quand, avec Aurélien Rousseau, nous étions là pour écouter les DG et répondre aux questions qui nous étaient posées jusqu'à plus de minuit avec lui et qui était là pour présenter sa DG aussi, la ministre Berger. Et il est, comme le rappelait le député Valletoux, en train de défendre, il est au banc sur la PPL dite Valletoux, notamment sur l'accès aux soins. Et il est au Sénat, il est au Sénat en ce moment même. Et je pense que, et lui à sa place et moi à la mienne, nous sommes en situation de répondre à la représentation nationale ici à l'Assemblée et lui au Sénat. Et alors j'entends, et nous défendons que c'est un projet de santé le PLFSS. Mais alors maintenant, celles et ceux qui considèrent qu'il ne faudrait parler d'aucun chiffre, dans des positions complètement démagogiques, comme quoi il n'y aurait plus de coûts à la santé, qu'on pourrait finalement offrir les soins et les dépenses de santé sans jamais se poser la question de la manière dont on le finance. Et j'ai entendu avec attention le président Valot qui considère finalement que les ONDAM n'ont jamais été rectifiés par le passé. Et je crois que chaque année, ils ont été rectifiés et dans les mandatures précédentes également. Refuser cet article, c'est refuser les 2,8 milliards d'euros supplémentaires de l'ONDAM rectifié pour nos établissements de santé. Je dois dire, je ne comprends pas, d'autant qu'on continue le travail avec les fédérations. Il n'y en a jamais assez, monsieur Pétavi, mais il y a une forme de limite. C'est comme les ressources naturelles. Je vous renvoie à Jean Covici, ce qui est valable pour les ressources naturelles et valable pour les ressources financières. Il y a des limites et je pense que ce n'est pas un gros mot que de parler de budget, de parler d'économie et de parler de dette. Et enfin, je voudrais quand même répondre à Madame Rousseau. Madame Rousseau, si, voilà, c'est pour vous, je vous réponds, et à monsieur Valot. Vous dites, on aurait pu poser la question d'une autre tarification, d'un autre modèle. Ce PLFSS, il prévoit justement une première marche pour changer la tarification à l'hôpital avec une nouvelle dotation qui permet de traiter la question de l'efficience des soins. Et enfin, je vois tous ces amendements de suppression d'articles et normalement, nous voulons débattre, nous avons des propositions à faire, mais à travers vos amendements de suppression, vous faites tomber tous les amendements que vous avez déposés sur les mêmes articles. Merci, nous allons passer au vote. Je vous laisse regagner vos pupitres. Il s'agit d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 225, exprimé 225, majorité 113 pour 116, contre 109. L'Assemblée nationale a adopté. L'article 2 est supprimé. Nous en venons, après la suspension de séance de 5 minutes, à l'article 3.
La séance est reprise. Nous sommes sur l'article 3 avec un certain nombre d'inscrits, enfin au moins un. Pour le groupe LR, c'est M. Bazin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, cet article 3 s'attache à rectifier la contribution des régimes d'assurance maladie et de la branche autonomie au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, pour tenir compte notamment d'une actualisation du déploiement du Ségur du numérique. Ce fonds est le bienvenu, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a un problème. Et je profite de cette intervention liminaire à cet article 3, Monsieur le Ministre, pour revenir sur le Ségur de l'investissement. On avait un certain nombre de projets d'investissement nécessaires pour moderniser, pour mettre à niveau des structures liées au handicap, des établissements accueillant des personnes âgées, dépendantes, pour mettre à niveau des établissements de santé. Or, ces établissements, avec des déficits de fonctionnement, connaissent des difficultés de trésorerie, ce qui fait qu'ils gèlent les investissements annoncés, ce qui retarde d'autant plus cette modernisation. Et c'est un cercle vicieux qui se met en place. Le pilotage aujourd'hui, c'est un manque de visibilité. On attend les crédits non renouvelables qui seront notifiés par les ARS. Mais en fait, ces difficultés structurelles de fonctionnement nuisent aux investissements qui permettraient, Monsieur le Ministre, de faire des économies demain, de faire des gains d'activité aussi. Et donc, on le voit bien, si on veut améliorer les recettes d'un côté, si on veut diminuer les mauvaises dépenses, je pense à celles qui vont vers des flux énergétiques qu'on pourrait diminuer si on faisait les travaux énergétiques nécessaires, on voit bien qu'il nous faut davantage de visibilité, mais de prévisibilité, et surtout qu'on se donne les moyens de réaliser ces investissements avec les autofinancements nécessaires. C'est le sens de mon intervention, Monsieur le Ministre. J'espère que vous saurez le relayer de manière à ce qu'on concrétise le Ségur de l'investissement qui était une belle promesse. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Rousset. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de l'après-midi, on vous entend, vous êtes toujours et vous nous qualifiez d'être irresponsables. En fait, nous, on est responsables et on a l'impression que quand vous faites appel à l'aspect comptable de la gestion de la médecine, vous oubliez de dire que vous, votre vision comptable, c'est taxer plus d'impôts pour apporter plus d'argent dans un système qui pourrait être vu comme un tonneau des Danaïdes. Moi, je pense que c'est peut-être le moment, actuellement, d'avoir une réflexion sur comment mieux utiliser l'argent public pour mieux soigner les gens. Et quand vous nous dites qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe sur le terrain, on l'est. Moi, je sais qu'il y a des endroits où les services marchent bien, où les gens vont au travail de bonne humeur, parce que souvent, c'est lié à la personnalité des gens qui travaillent et à l'application des augmentations salariales que nous avons faites et des réformes qui permettent de mieux prendre en charge les gardes, etc. Donc, je crois que si on veut être responsable du financement, donc de l'augmentation de l'ONDAM, de l'augmentation liée à l'inflation, on doit aussi se poser la question de la bonne utilisation de l'argent. La bonne utilisation, c'est certainement aller vers la prévention, et c'est ce qu'on fait dans ce budget du financement de la sécurité sociale. C'est mettre plus d'argent dans les gens qui en ont le plus besoin, les éloignés du soin, les handicapés, les femmes qui sont encore très, très en retard dans certaines prises en charge. C'est aussi s'intéresser aux économies, les économies de transport, puisqu'on va proposer les transports partagés. C'est aussi faire beaucoup d'économies d'échelle en regroupant les services. Voilà. Donc moi, je veux vous dire que votre aspect comptable à vous, c'est plus de taxes, plus de dépenses, sans peut-être flécher et regarder les dépenses utiles. Merci. Au groupe socialiste, Monsieur Gedge. Merci, Monsieur le Président. En effet, cet article 3 porte sur le fonds de modernisation et, comme le disait Thibault Bazin, c'est aussi le moyen d'avoir à connaître l'utilisation des 19 milliards des crédits qui avaient été annoncés pour le Ségur de la santé, 13 milliards d'euros de reprise de dette des établissements de santé et 6 milliards et demi destiné à des opérations d'investissement structurant. Et je vais vous donner une illustration de la frustration des parlementaires que nous sommes pour pouvoir légiférer en connaissance de cause.
le 19 juillet dernier, en préparation de ces débats du PLFSS, et notamment de cet article qui allait venir, j'ai écrit avec mon co-président de la MEX, Cyril Isaac Sibille, au ministre des Comptes publics et au ministre de la Santé pour avoir un tableau précis et une déclinaison régionale des décaissements qui avaient été annoncés, puisque jusque-là, dans l'annexe performance santé annexée au PLF, nous n'avions que la connaissance pour 2,5 milliards et l'échéancier n'était pas connu pour les 3,5 milliards d'euros restants. Un courrier donc envoyé le 19 juillet. Ben, figurez-vous que Cyril Isaac Sibille et moi-même, nous avons reçu aujourd'hui à 11h52 la réponse signée de messieurs Cazenave et Rousseau. Voilà, alors on pourrait se dire ben, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien, mais considérez quand même que quand des parlementaires exercent leurs prérogatives en demandant des informations qui ne doivent pas être quand même totalement méconnues et qui s'adressent à vous le 19 juillet et que vous leur répondez le jour du début de l'examen du PLFSS et de truc, je suis dans l'incapacité matérielle de pouvoir vous dire exactement. Donc je le dis à tous les parlementaires, je vais vous transmettre puisque vous êtes concerné. Pour le groupe GDR, monsieur Daréville. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie le président de la MEX, le coprésident de la MEX, Jérôme Guedge, de nous transmettre effectivement ces documents qui pourront nous permettre d'affiner notre jugement. Mais on peut chacune et chacun sans doute constater les difficultés qui existent dans la modernisation des hôpitaux. Moi, un hôpital que je connais bien a besoin de fonds aujourd'hui qu'il n'a pas. Pour faire face à une augmentation de la population, avec des passages aux urgences qui étaient configurés pour 30 000 passages et qui arrivent aujourd'hui à 52 000, avec des étages où on a une salle de bain pour 80 chambres, avec etc. etc. Donc vous avez besoin d'investir dans. Alors ça suffira pas d'investir dans les murs, évidemment. Et il y a besoin aussi d'investir dans le personnel. Mais on voit bien, et là, puisque c'est l'objet de cet article, qu'on a un sujet sur la décroissance des fonds investis dans la rénovation et la reconstruction des établissements, avec les ARS qui sont amenés à faire des choix. L'hôpital d'à côté va recevoir 170 millions d'euros. Celui de ma circonscription en recevrait 28 millions. Vous voyez bien qu'en plus, ça pose des problèmes d'arbitrage qui sont quand même problématiques. Et moi, je ne remets pas en cause les investissements qui sont faits dans l'hôpital d'à côté. Ils sont sans doute nécessaires. Mais je pense que ça ne fonctionne pas. Et donc, on a besoin d'avoir une planification qui ne soit pas à la baisse. Or, c'est ce que vous nous proposez. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, madame Mélin. Oui. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement, nous soutiendrons cet article parce que même si les sommes sont à nos yeux, comme aux yeux de tout le monde, très insuffisantes, elles sont les bienvenues. Je voudrais mettre l'accent sur l'aspect qui correspond aux établissements sociaux et médico-sociaux. Déjà, sur la forme, s'apercevoir qu'il s'agit de transfert d'une contribution qui s'est faite de manière non pérenne pour 2023 dans le cadre d'un fonds d'urgence. Ça en dit beaucoup sur l'état catastrophique de tous nos établissements médico-sociaux et des difficultés qui sont les leurs. Et je voudrais particulièrement insister sur les établissements médico-sociaux d'handicapés lourds, voire très lourds, où nous nous trouvons à nous débattre avec des structures qui sont toutes surchargées, avec un personnel qui mériterait, parce que c'est aussi ce qu'on leur doit, une formation continue et une formation de soutien permanente, avec des, en particulier dans les structures des tout jeunes enfants, des enfants de 3-4 ans qui doivent, par la force des choses, cohabiter avec des grands jeunes gens de 18 ans et plus qui sont, eux, dans une autre dynamique. Et même si leur handicap est lourd, ils sont quand même des personnes qui évoluent et eux aussi ont besoin de se retrouver dans un état, une atmosphère qui leur soit propre. Alors, l'amendement Creton permet tout cela, mais c'est aussi une grande anomalie parce qu'il fait apparaître que nous avons des structures qui sont très insuffisantes, tant dans leur organisation que dans les moyens qu'ils ont. Je vous remercie. Merci. Pour la France insoumise, monsieur Mathieu. Oui, merci, monsieur le président.
Collègues ministres, cet article-là, encore une fois, montre quelque chose qui n'est pas très sérieux. Les investissements ne sont pas à la hauteur et j'aimerais faire un focus particulier sur le volet numérique. On est très très loin du compte, très très loin du compte. Il ne vous a pas échappé quand même que les établissements de santé et médico-sociaux sont l'objet d'attaques, de cyberattaques récurrentes visant à faire de la rançon sur les données personnelles et médicales des patients. Ces attaques peuvent également porter atteinte au bon fonctionnement des établissements. Et là, on a l'impression que le gouvernement se contente de croiser les doigts et d'espérer très très fort qu'il n'y ait pas de problème majeur. Pourtant, il y en a eu à Versailles, il y en a eu à La Réunion, il y en a eu à Pontchaillou, au CHU de Rennes, il y en a eu à Corbeil-Essonne, il y a eu des fuites de données sur Doctolib, la PHP, etc. Donc, gageons que ce phénomène ne va pas s'arrêter comme ça, simplement par le simple fait de l'espérance. Et nous avons besoin d'investissements dans le numérique, notamment dans la sécurité numérique. Les hôpitaux, les établissements sont particulièrement démunis. Et franchement, adopter cet article tel quel, je pense que ne serait-ce que de ce point de vue-là, ce serait envoyer un très mauvais message qui consistera à dire qu'on se contente du peu et que finalement, fais ce que doit avec le peu, advienne que pourra, et puis tant pis. On ne peut plus se contenter de ça. Et c'est pour ça que nous appuyons la suppression de cet article. Merci. Pour le groupe écologiste, M. Pétavi. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, sur les questions d'investissement, nous avons des besoins considérables. Comme vient de l'évoquer mon collègue sur la question du numérique, alors il y a la cybersécurité, mais il y a également un grand sujet sur les logiciels qui, parce qu'ils sont peut-être moins chers, sont souvent complexes. Et la perte de temps pour les soignants, et notamment en psychiatrie, pour entrer toutes les données. Donc il y a des logiciels qui sont vraiment très très complexes, il y aurait besoin d'un véritable investissement. Sur la question de l'accessibilité des centres hospitaliers, là nous avons un énorme sujet. Quand on voit des hôpitaux qui ont pu être construits dans les années 60 et dont les toilettes, les sanitaires dans une chambre sont totalement inaccessibles pour un fauteuil roulant, c'est quand même la réalité d'un très très grand nombre de systèmes d'établissements hospitaliers. Quand on regarde le médico-social avec une population vieillissante, il y a beaucoup d'établissements qui aujourd'hui ne sont pas en mesure de répondre au vieillissement de la population en situation de handicap. Et ça, sans prendre en compte la question du réchauffement climatique et de tous ces bâtiments qui ne sont absolument pas adapté aujourd'hui au réchauffement climatique, aux canicules, et avec des personnes qui sont en grande vulnérabilité hein, quand ils sont soit en EHPAD, soit sur un temps d'hospitalisation. Et c'est vrai que quand on passe une journée complète avec les volets fermés parce qu'il fait chaud et parce qu'il n'y a pas, on va dire, des conditions idéales, ben c'est un temps d'hospitalisation qui est très compliqué. Donc, effectivement, on a besoin d'investissement et énormément d'investissement. Et donc, encore une fois, ce n'est pas à la hauteur. Alors, vous allez me dire que ce n'est jamais à la hauteur. Je l'entends bien. Mais on a de tels besoins aujourd'hui. Il faut pouvoir y répondre. Merci, monsieur le député. Je n'ai plus d'inscrits des groupes politiques sur cet article. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 49, je suis saisi par le groupe Renaissance et France Insoumise d'une demande de scrutin public et sur l'article 3 par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. Les deux sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée. L'amendement, c'est un amendement de suppression, le 49, qui nous le présente, monsieur Gage. Oui, merci, Monsieur le Président. Un amendement de suppression parce que, je le redis, la visibilité et l'intensité de ces dégagements de crédits du fonds de modernisation ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux d'urgence et de priorisation. Je vous lis et je partage presque en temps réel un court extrait du courrier que j'ai reçu tout à l'heure des deux ministres. S'agissant des dotations relatives au soutien des projets immobiliers prioritaires des établissements de santé, c'est-à-dire 6,5 milliards d'euros qui étaient prévus par ce Ségur de la santé. Eh bien, il apparaît qu'à ce jour, environ 760 millions d'euros ont déjà été notifiés et contractualisés. Et sur ce montant, seulement
c'est moi qui ajoute, 250 millions d'euros auront été versés aux établissements fin 2023. Donc vous voyez, l'article 50 de la LFSS pour 2021 annonce un programme de modernisation et de soutien aux projets immobiliers prioritaires des établissements de santé, 6,5 milliards. Et deux ans et demi après, 760 millions d'euros ont été notifiés et contractualisés et 250 ont été effectivement versés aux établissements. Voilà le sens des priorités que vous avez. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le président. Je voudrais répondre à monsieur Pétavi qui nous dit qu'on a besoin d'énormément d'investissements. Et je dis, les Français jugeront, nous avons mis dans l'investissement, dans le Ségur, 19 milliards. Ces 19 milliards dans cet article ne sont pas remis en cause. Dedans, il y a les 2 milliards pour le numérique. On constate un déploiement qui n'est pas totalement réalisé en 2023 et qui est donc décalé. Je rappelle que nous sommes toujours dans la première partie et donc toujours pour l'année 2023. Enfin, dans cet article, il est rajouté les 100 millions d'urgence. Parce que pour les EHPAD en difficulté, pour lesquels des réunions départementales sont organisées à l'initiative des agences régionales de santé, pour laquelle les parlementaires d'ailleurs sont tenus informés et peuvent participer pour la répartition de ces 100 millions d'euros. Donc c'est ce budget d'urgence que vous supprimez avec votre amendement, donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Monsieur Bazin sur la question de l'investissement et notamment du Ségur investissement, je le rappelle, c'est un investissement historique de 19 milliards d'euros, 6 milliards d'euros déjà engagés. Et cet amendement, du moins cet article, pardon, il vise juste à ajuster le montant du fonds en fonction des projets et de leur avancement. Mais l'ambition reste intacte et elle reste même historique. Alors j'entends un peu les interventions des uns et des autres qui disent qu'on n'en fait jamais assez. On n'a jamais autant investi dans le système hospitalier. Le Ségur, l'investissement, je le rappelle, avec ses 19 milliards d'euros. Et puis alors, il y a quand même un paradoxe à vouloir supprimer cet article qui prévoit la mise en œuvre du fonds d'urgence EHPAD qui fait suite, Monsieur Guedj, au rapport de Madame Christine Pires-Bonne qui appelait l'attention du gouvernement à soutenir davantage les EHPAD. Donc si on vous suit, en votant cet amendement, vous supprimez le fonds d'urgence à destination des EHPAD, alors même que votre propre groupe attendait des efforts du gouvernement sur ce sujet. D'autre part, c'est quand même... Pardonnez-moi, alors maintenant, vous plaignez de recevoir notre réponse. Bon, OK, voilà. Et je peux vous dire que, s'agissant de vos prérogatives, comme président de la MEX, vous étiez, je crois, ce matin à la DSS, je crois que vous avez accès à toutes les informations que vous souhaitez pour être correctement informé et pouvoir dialoguer et échanger avec le gouvernement. Donc je pense qu'il s'agit quand même, dans votre réponse, d'un peu, c'est probablement un peu un euphémisme moi aussi, de mauvaise foi. S'agissant de l'investissement informatique, dans les 19 milliards du Ségur santé, en matière d'investissement, il y a 2 milliards en matière d'investissement informatique. Et je rappelle que les COJ des caisses de sécurité sociale prévoient par ailleurs 1 milliard d'euros d'investissement sur les systèmes d'information de nos caisses de sécurité sociale, à la fois pour améliorer le service, améliorer les conditions de travail de nos agents et aussi renforcer, vous l'avez évoqué, la sécurité. Donc tout ça pour dire que je considère à la fois que cet article permet de remettre en évidence cet effort historique et que ce serait paradoxal que de vouloir le supprimer, touchant ainsi l'engagement historique du gouvernement pour le secteur hospitalier et le fonds de secours à destination des EHPAD dont nous savons tous ici qu'elles en ont grandement besoin. Avis défavorable. Merci. On reste sur deux orateurs, deux prises de parole pour le groupe Renaissance. Madame Brûlebois.
Merci, Monsieur le Président. Donc, je suis contre cet amendement, puisque, Monsieur Guedj, vous avez voté contre l'article 2. Vous refusez 2,8 milliards d'euros d'augmentation de l'ONDAM. Et en votant encore contre l'article 3, vous refusez à nouveau 1 milliard d'euros pour le fonds de modernisation et d'investissement du fonds de la santé. Fonds que nous avons créé et que nous avons abondé avec France Relance. Donc, quand on est dans l'opposition, c'est facile de donner des leçons, mais qu'avez-vous donc fait pour notre système de santé durant deux décennies ? L'ONDAM, en 2014, la hausse, c'est 2,7%. En 2015, c'est 2,1%. Nous, cette année, nous l'augmentons de 3,2%, supérieur à l'inflation, après 4,8% en 2023. Durant deux décennies, la hausse de l'ONDAM n'a jamais dépassé 2,8%. Donc, on veut bien tout entendre. Sur l'hôpital, vous nous dites que l'hôpital souffre. Mais qui a fait autant que nous pour l'hôpital public ? Notre hôpital public, nous l'aimons, nous y sommes attachés. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait en sorte que les députés siègent aujourd'hui au Conseil de surveillance, alors qu'ils n'y étaient pas avant. Je voudrais quand même rappeler ce qui a été fait. La manne financière exceptionnelle et sans précédent de 27 milliards d'euros pour l'hôpital public de 2020 à 2022. 9 milliards par an. Le fonds de désendettement de nos hôpitaux, 33 milliards par an. En 2017, quand j'ai été élue à Lons-le-Saunier, l'hôpital public était en déficit de 33 millions d'euros. Qui avait fait quelque chose ? Personne. Nous l'avons fait. Et voilà. Nous avons repris la dette. La T2A. Chers collègues, La T2A, tout le monde sait que c'est... Vous laissez parler, Madame Baudois. Vous parlez après, Monsieur Bazin. Vous pouvez me laisser parler, chers collègues ? C'est ce que je viens de dire, Madame Baudois. Je vais m'occuper de ça. La T2A, on sait que c'est ça qui a rendu nos hôpitaux exsangues. Mais qui a fait quelque chose sur la T2A ? Personne. Nous le faisons. Et dans ce PLFSS, nous allons créer une nouvelle cotation pour le soin, justement, et en particulier pour nos hôpitaux ruraux. Vous parlez aussi de l'autonomie. Et donc là, vous voulez voter contre le fonds de secours pour nos EHPAD. Qui a fait quelque chose pour l'autonomie ? Nous avons créé la cinquième branche. Personne ne l'a fait. Personne n'avait rien fait depuis Paulette Guinchard avec la... Merci. Monsieur Bazin, vous aviez donc quelque chose à dire. Profitez-en. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mais par transparence à votre égard, je suis opposé à cet amendement. Donc je pense que par correction... Alors je prendrai un intervenant, s'il y en a un, en défense. J'ignorais votre position. Mais allez-y, vous vouliez prendre la parole ou pas ? Je vous laisse la parole si vous la voulez. Je viens de vous la donner, je ne vais pas vous la retirer. Et ensuite, je prendrai Madame Lavalette. Oui, merci, Madame la... Monsieur le Président... Ah, maintenant, elle est contre... Monsieur le ministre, faut être très clair, ce fonds va dans le bon sens. Ce fonds de modernisation et d'investissement en santé. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer ni d'un côté ni de l'autre. Et même si on aurait pu se demander d'ailleurs si le patrimoine immobilier des établissements aurait pu être sorti de la sécurité sociale, ce qui aurait pu régler un certain nombre de problèmes d'endettement de nos établissements. Mais on peut regretter le retard du déploiement de ce programme. Alors, on prend acte de ce retard, mais ce qui est très important à travers cet article, et c'est pourquoi on ne votera pas cet amendement de suppression, c'est qu'on pense que le fonds d'urgence pour les établissements sociaux et médico-sociaux en difficulté est vraiment essentiel et va dans le bon sens. Mais j'ai une question, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il n'y a pas des oubliés de ce fonds ? Est-ce qu'il ne faudrait pas étendre le périmètre de ce fonds d'urgence aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de l'ensemble du champ autonomie ? Parce qu'on a un certain nombre d'établissements qui ne sont pas forcément éligibles et pour autant qui rencontrent les mêmes difficultés que les EHPAD que vous avez mentionnées. C'est une question très importante pour nous, Monsieur le Ministre. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Nous allons donc passer, c'est un scrutin public, au vote de cet amendement. Je vous laisse rejoindre vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 172, exprimé 172, majorité 87 pour 47 contre 125. L'Assemblée nationale n'a pas adopté cet amendement de suppression. Et nous avons le vote sur l'article 3. C'est un scrutin public aussi, donc ne bougez pas. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Votants 168, exprimés 167, majorité 84 pour 124 contre 43. L'Assemblée nationale a adopté l'article 3. Nous passons à l'article 4 avec une série de demandes de prise de parole pour le groupe Rassemblement national. Monsieur Frappé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure Générale. Cet article 4 donc, du PLFSS 2023 va porter sur la clause M et ainsi sur la clause de sauvegarde dans l'industrie pharmaceutique. Cet article vise à légèrement améliorer le montant M qui passe de 24,6 milliards d'euros à 24,9 millions d'euros. Notre groupe y est sensible. Mais il faut évaluer les réels besoins de ce secteur et surtout tenir compte des besoins de santé des Français, bien que cette clause de sauvegarde s'applique à l'ensemble des industriels du secteur du médicament. En effet, cette dite clause s'applique de façon identique à toute l'industrie pharmaceutique, sans exception. Pour maintenir une certaine équité entre les acteurs, il conviendra de la revoir dans les prochains PLFSS ou lois portant sur l'industrie de santé, en identifiant l'ensemble des acteurs. On ne peut pas en effet appliquer une telle clause pour un industriel fabricant des médicaments avec un budget de recherche et développement dont la marge brute par médicament est bien plus importante qu'un industriel fabricant des médicaments génériques dont les marges sont drastiquement plus faibles et ne possédant pas de recherche et développement. Pour cela, il semble important de supprimer cette clause de sauvegarde pour les industriels fabricants de médicaments génériques ou de créer une clause de sauvegarde moins contraignante. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, monsieur Maudet. Merci, monsieur le président. Nous sommes en attendant le 49-3 et vraisemblablement, ce sont nos seuls débats que nous aurons sur le plus grand budget de la nation. Tout à l'heure, on vous parle des soignants, des patients, de leur mal-être. On vous parle des urgences, comme ça peut être le cas à Limoges, où des gens attendent 9 jours dans les couloirs. À Perpignan, il y a des files d'attente de brancards devant l'entrée. À Strasbourg, il y a des urgences qui tournent à 193% de leur capacité. On parle en vérité de santé publique. Et quand même, c'est très irrespectueux de ne pas avoir le ministre de la Santé au banc. On parle de santé publique, monsieur le ministre, et on n'a que le ministre des Comptes publics. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, franchement, ce n'est pas à la hauteur. On parle du plus grand budget de la nation et on n'a même pas le ministre qui s'en charge. Ensuite, vous dites que vous êtes à l'écoute. Vous nous dites, mais nous aussi, on va dans les hôpitaux, on va dans les EHPAD, on est à l'écoute. Mais si vous êtes à l'écoute, pourquoi voter un budget où les fédérations hospitalières disent qu'il manque 3 milliards d'euros dessus? Comment vous pouvez être à l'écoute et tout de même, quand vous êtes dans l'hémicycle, voter un budget qui va contraindre financièrement les établissements de santé? Est-ce que la prochaine fois que vous allez vous déplacer dans un hôpital, dans un EHPAD, vous allez dire aux soignants « Oui, nous avons voté un budget dans lequel il manque 3 milliards d'euros, dans lequel ça ne compense même pas l'inflation et ça ne compensera même pas les hausses de salaire. » J'espère que vous assumerez ces positions devant les soignants, devant les patients. Merci, monsieur Neuder, pour le groupe des Républicains. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale. Effectivement, il y a des bonnes et des moins bonnes années. On va dire que pour cette année, la clause de sauvegarde permet à l'industrie pharmaceutique de reprendre un peu son souffle. Mais on aurait pu, et ça avait été l'objet d'un certain nombre d'amendements qui n'ont malheureusement pas été retenus par le gouvernement, de revoir aussi les critères de cette clause de sauvegarde. Et je vais prendre un exemple très concret qui est dans ma circonscription. C'est l'entreprise Sequence qui va relocaliser 60% de la production de paracétamol qui va couvrir 60% des besoins européens. Trouvez-vous normal, monsieur le ministre, puisque nous allons avoir une discussion budgétaire, que finalement les entreprises qui produisent le produit actif en France, qui le conditionnent et qui font donc un médicament 100% français, soient impactées de la même façon que les entreprises qui importent le produit actif et qui font le packaging sur notre territoire. Je pense qu'il y a une différence de traitement dans la clause de sauvegarde qui pourrait profiter à nos entreprises françaises
en étant dans quelque chose que nous soutenons tous, la souveraineté sanitaire, la réindustrialisation de la France. Et je pense qu'il n'est pas normal que dans la clause de sauvegarde, quel que soit son montant, on ne différencie pas un médicament 100% français d'un médicament dont le principe actif vient de l'étranger et notamment de l'Asie. Et je pense qu'on n'encourage pas la souveraineté sanitaire en n'appliquant pas une différenciation dans la clause de sauvegarde. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour Renaissance, monsieur Lozana. Oui, merci, monsieur le président. Juste quelques mots. Cette clause EM, depuis des années, était décriée parce qu'il y avait une augmentation quasiment exponentielle, et que cela pouvait poser problème, en particulier à des petites industries, des industries pharmaceutiques qui sont sur notre sol, territorialisées, et pas les grands groupes pharmaceutiques. Donc, moi, je tenais d'abord à remercier le ministre pour avoir ouvert cette discussion et avoir négocié avec les entreprises une meilleure clause de sauvegarde qui tienne plus compte, en effet, de la répartition entre médicaments innovants, par exemple, et médicaments matures, parce qu'il y avait là aussi une très forte inégalité. Ensuite, juste un point, je regrette qu'on ne puisse pas tenir compte d'une certaine partie de territorialisation dans cette clause EM des médicaments. Je m'explique. Nous avons vu pendant la crise sanitaire que nous avions besoin de relocaliser certains produits pharmaceutiques qui parfois pouvaient nous manquer. Et il y a maintenant, grâce en particulier au plan de relance, des industries qui commencent à vouloir se relocaliser en France pour pouvoir produire en France et pour qu'on ne manque pas de médicaments. Je pense par rapport au paracétamol. Or, si on pouvait, me semble-t-il, tenir compte d'une partie de territorialisation dans cette clause EM, cela bénéficierait donc à cette réintégration en France de la production de ces produits. Merci, monsieur le député. Au groupe socialiste, monsieur Gedge. Merci, monsieur le président. Nous arrivons à l'article 4. C'est le dernier article avant le vote de cette première partie. Et je dois vous dire que nous nous attendons dans quelques minutes à l'issue du vote de la première partie à ce que la première ministre arrive et enclenche le 49-3. En le faisant, elle nous privera d'un débat pour lequel nous n'avons pas eu tous les éclaircissements nécessaires, puisque la deuxième partie est celle relative aux recettes de la sécurité sociale. Et donc, nous serons toujours dans le flou s'agissant de la GIRC et de l'ARCO, puisque des réponses précises à la question que je vous ai posée, de savoir est-ce que vous utiliserez ou pas un décret de carence si jamais la négociation que vous appelez de votre vœu n'aboutit pas, nous n'avons pas cette réponse. Nous n'aurons pas non plus de réponse, ou en tous les cas pas de débat sur la question centrale des recettes alternatives de financement pour la sécurité sociale. La première d'entre elles que nous avons mise sur la table cette année et que vous avez totalement escamotée, c'était la question des exonérations de cotisations sociales, de revenir de manière significative sur ce pognon de dingue qui est mobilisé sans qu'on sache son efficacité. Nous avions mis un pied dans la porte avec Marc Ferracci en proposant la suppression pure et simple du bandeau famille et même ça, un travail transpartisan soutenu par exemple dans l'amendement que j'avais déposé avec Sacha Houlier, président de la commission des lois, et bien même ça, vous ne le reprendrez pas et ne prolongerez pas ce travail nécessaire d'examen de l'efficacité de ces exonérations de cotisations sociales. Voilà ce que ce 49-3 va nous priver dans quelques instants et signer avec lui, une fois de plus, à la fois l'échec de votre méthode, l'échec de votre vision pour la sécurité sociale, l'échec de votre vision pour partager plus efficacement les richesses, pour financer, comme il le faut, notre système de protection sociale. Merci pour le groupe démocrate, M. Isaac Sibyl. Merci bien, M. le Président. Cet article est important dans le sens où il parle du médicament. On a parlé de l'hôpital, on a parlé de la médecine de ville, maintenant on parle du médicament. C'est vrai que par rapport à la clause de sauvegarde, c'est important effectivement qu'on redonne un petit peu d'air aux médicaments, et notamment aux laboratoires. Il ne faut pas oublier effectivement c'est grâce à ces médicaments qu'on soigne. Rappelez aussi à nos collègues que les laboratoires, lorsqu'on voit l'ensemble des taxes, des prélèvements, des taxes, des remises,
La clause de sauvegarde, c'est pratiquement 25% de leur chiffre d'affaires qu'ils remettent au financement public. Donc c'est important qu'il y ait cet article 4 qui permet effectivement de relocaliser. Et notamment pour répondre à M. Neder, il y a quand même un fonds qui est dédié effectivement aux industriels français par rapport à la souveraineté. Et il n'est pas suffisant, mais c'est un début. Il est de 50 millions. Avant, il n'y avait rien. Et donc, quelque part, c'est bien. Et donc, lorsqu'il y a quelque chose qui est bien, il faut le dire. Merci. Je n'ai pas d'autres inscrits sur cet article. Nous commençons les amendements. L'amendement de suppression de l'article, le 947, présenté par M. Pétavi. Merci, M. le Président. Donc, l'article 4, comme ça vient d'être évoqué, rectifie le montant dit M pour qu'il ne soit pas inférieur au chiffre d'affaires annuel minoré des remises au titre des médicaments remboursés. Quand on voit les aides publiques, quand on regarde l'observatoire, selon l'observatoire des multinationales, pendant la crise sanitaire, 100% des entreprises du CAC 40 ont bénéficié des aides publiques de l'État et ont versé de manière agrégée donc 51 milliards d'euros à ses actionnaires. Les aides publiques aux entreprises coûtent à l'État environ 140 milliards d'euros par an. Quand on regarde Sanofi, le géant pharmaceutique, dont le chiffre d'affaires était de 33,77 milliards d'euros en 2014, dont 7% réalisé en France, bénéficie depuis 2008 de 125 à 130 millions d'euros par an d'abattements fiscaux au titre du crédit d'impôt recherche. Mais dans le même temps, il n'a eu de cesse de diminuer son potentiel de recherche et de développement. Et d'après les syndicats, Sanofi a supprimé 2000 emplois dans ce secteur ces dernières années. Donc nous appelons effectivement à supprimer cet article. Merci. Je vous informe que sur le vote de l'amendement 947 identique, je suis saisi par le groupe de la France insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée. Le 1046, M. Daréville. Merci, M. le Président. Le montant M est depuis plusieurs années revu à la hausse, laissant ainsi plus de marge aux entreprises pharmaceutiques. Les justifications pour augmenter ce seuil de déclenchement de la contribution M sont l'inflation et les produits innovants jugés plus coûteux. En 2021, le montant M était fixé à 23,99 milliards et dans le cadre de cet article 4, il est relevé à 24,9 milliards contre 24,6 initialement prévu dans le projet de loi de financement rectificatif 2023. Cette disposition a des effets financiers sur la branche maladie. Pour 2023, elle représente une moindre recette de 120 millions. L'étude d'impact indique qu'il s'agit là d'un « new deal », je mets des guillemets, entre les pouvoirs publics et les entreprises du médicament qui s'engageraient à conduire en 2024 des efforts plus importants de baisse de prix et de régulation des volumes de vente sur le marché français. Accroître la motivation financière des industriels, favoriser leurs marges ne nous semble pas tout à fait relever d'un new deal tel que nous l'espérons. Ce n'est pas une mesure qui transforme en profondeur le marché du médicament en réalité, mais à l'inverse qui plutôt le perpétue. Or, les effets pernicieux de ce marché, les patients le vivent plus durement chaque année. Je rappelle que les pénuries se suivent et se ressemblent. Par exemple, la pénurie récurrente de médicaments immatures, Doliprane, Amoxicilline, devrait nous conduire non pas à considérer que ce sont les patients qui abusent en prévoyant d'augmenter les franchises ou de vendre les médicaments à l'unité, mais les pénuries devraient nous amener à nous interroger sur les modalités de production. Et je veux signaler l'excellent rapport qui a été écrit par Laurence Cohen et Sonia de la Provôté, collègue sénatrice, il y a quelques semaines de cela. Il y a 30 ans, nous produisions en Europe 80% des principes actifs de médicaments. Aujourd'hui, 60 à 80%. De ces principes actifs sont importés en France. On dénombre environ 270 sites de production pharmaceutique, dont une grande majorité sont des PME. Nous pensons qu'on ne peut pas s'en tenir à ce paysage-là et qu'il faut y compris organiser une plus grande puissance publique en matière de médicaments. Et nous portons depuis très longtemps la proposition d'un service public du médicament, d'un pôle public du médicament qui serait garant de la transparence, j'en termine, Monsieur le Président, de la transparence et de prix justes et qui permettrait également de faire levier pour produire les médicaments dont nous avons besoin. Le 1194, Monsieur Maudet. Merci, Monsieur le Président.
tout comme mes collègues, nous défendons cet amendement pour cause. Donc là, chaque année, le prix des médicaments augmente et ce que l'on rembourse augmente. La clause de sauvegarde, ça permet en fait de contrôler les prix. C'est-à-dire que si on dépasse un montant, on arrive à un moment où on demande au labo de rembourser. Sauf que là, avec ce que vous proposez, vous allez baisser la rentabilité de cette hausse de cette clause de sauvegarde en fait. Et in fine, le cadeau qui est fait à l'industrie pharmaceutique, c'est 100 millions pour cette année et c'est 400 millions pour 2024. C'est quand même un sujet. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous demandiez 1 milliard d'efforts à l'industrie pharmaceutique. Bon, déjà, c'est 1 milliard moins 500 millions. Donc, il reste 500 millions d'efforts à l'industrie pharmaceutique. Il faudra creuser un peu parce que je pense qu'on va trouver d'autres endroits où vous faites d'autres cadeaux et que finalement, l'industrie n'aura fait aucun effort. Juste, il n'y a pas de surprise sur pourquoi on arrive avec un article pareil qui fait ce cadeau. Il n'y a pas de surprise parce qu'en fait, il est issu d'une task force, d'un groupe de travail qui a été missionné par Matignon, dans lequel on a l'ancien président du LEM, le labo des entreprises du médicament. On a une personne de IQVIA qui fait des analyses pour l'industrie pharmaceutique, une autre personne de Boston Consulting Group et enfin quelqu'un de Dassault Systèmes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. C'est même pas des conseils qui ont été pris auprès de l'industrie pour arriver à cet article. Ce sont des consignes. Et aujourd'hui, c'est les Français qui vont devoir le payer. Bravo. Madame la rapporteure, sur ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Monsieur Dharréville que ce New Deal dont vous avez parlé est partie d'un amendement que nous avions adopté ensemble en commission l'année dernière lors du PLFSS 2023 qui demandait au gouvernement un rapport sur le calcul notamment de cette clause de sauvegarde qui a été remis à la Première ministre à l'été et dont les discussions avec l'industrie pharmaceutique a débouché suite à ce rapport. Effectivement, il y a dans cet article la stabilisation du rendement de la clause de sauvegarde qui est à 1,6 milliard d'euros. Je voudrais dire au précédent orateur que ce n'est pas 1 milliard, enfin c'est 1,6 milliard et 1 milliard de plus que l'année dernière. Donc il n'y a pas de cadeau particulier aux entreprises pharmaceutiques. Je rappelle aussi que dans la partie que nous verrons plus tard, la partie 3 qui concerne les dépenses, il y a un grand nombre de mesures concrètes, efficaces pour nos concitoyens sur la lutte contre la pénurie de médicaments, pour répondre à M. Dharréville, je crois. Enfin, cette politique du médicament, elle s'inscrit dans une globalité à prendre en compte. Certes, la clause de sauvegarde, donc avec ce rendement, mais aussi avec la régulation des volumes qui sont demandés à l'industrie pharmaceutique pour 300 millions d'euros et la baisse des prix de 1 milliard. Donc c'est un avis défavorable sur ces amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Juste pour préciser, cette clause, elle n'est pas créée par ce PLFSS. C'est un dispositif très ancien, un dispositif de régulation de la dépense de santé. Et aujourd'hui, on l'ajuste et on tient compte de deux éléments nouveaux. D'abord, je le redis, comme vient de l'expliquer la rapporteure générale, 1 milliard d'euros de baisse de prix pour les industriels. Et je rajoute également 300 millions d'euros sur les volumes. Donc les industriels, ils contribuent à la maîtrise de nos dépenses. Et je voudrais prendre quand même cet exemple de l'article 4 pour montrer à quel point, comme nous le disons depuis le début, il n'y a pas de PLFSS alternatif. Puisque si je vous suis, nous sommes trop durs avec les industriels et vous faites des propositions pour alléger la contrainte et vous considérez qu'il faut finalement enlever toute clause de sauvegarde. Donc en fait, il n'y a pas de solution alternative à la proposition que nous formulons. Et l'exemple que je donne à travers cet article 4, nous pourrions le reprendre sur tous les articles du PLFSS. Il n'y a pas de PLFSS alternatif. Et je trouve que là, en vous écoutant sur l'article 4, vous avez fait la démonstration évidente que vous défendez, et je ne vous le reproche pas, des visions radicalement opposées qui vous empêchent de vous entendre pour nous faire une proposition alternative. Avis défavorable. Bien, Madame Lavalette.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Ministre, ne faites pas croire que quand on fait des propositions, vous les acceptez, vous ne les écoutez pas, et elles sont toutes refusées les unes derrière les autres. Nous voterons contre cet amendement. Effectivement, nous pensons qu'il faut encourager la relocalisation et la souveraineté. Là encore, remettez-vous un peu en question, vous appartenez à un gouvernement qui n'a cessé de brader nos fleurons industriels, mais si effectivement l'industrie pharmaceutique peut revenir sur le pays, ce sera une bonne chose. Je pense que le Covid l'a mise en lumière. On a vu le paracétamol, mais je vais vous dire, moi, j'ai une jeune fille diabétique. Quand le pharmacien vous appelle en vous disant « Madame Lavalette, faites le tour des pharmacies, nous n'avons plus d'insuline », vous vous demandez si vous habitez dans la 7e puissance mondiale. Et malheureusement, c'est ça aussi votre bilan. Alors, de même qu'on avait besoin du fonds d'urgence, on a effectivement, je pense, besoin de cette clause, mais je suis étonnée d'autant de satisfaites. Vous parlez du Ségur, mais je vous rappelle quand même qu'après le Ségur de la santé, les infirmières en France restent payées 10% moins cher que dans la moyenne de l'OCDE, ce qui ne devrait quand même pas vous rendre fier. On a fait passer les comptes publics avant le patient, et M. Vallaud, mon collègue l'a dit tout à l'heure, ça vient sûrement de la tarification à l'acte et de 2004. Vous n'étiez certes pas aux commandes, mais certains ici le sont. Témoignage d'un médecin à Toulon il n'y a pas longtemps, me disant qu'à l'hôpital, ils opéraient la nuit pour pouvoir libérer des blocs le jour. On ne peut pas se satisfaire de ça, ça n'est pas possible. Donc ce n'est pas des fonds d'urgence qu'il faut, c'est une politique de grande ampleur. La santé des Français et de nos hôpitaux ne peuvent pas être la variable d'ajustement. Pour ça, je regrette bien que certains camarades qui sont ici, qui avaient voté contre le PLFSS, n'aient pas voté la motion de rejet, parce que cela vous aurait obligé à revoir votre copie, et c'est évidemment ce que nous en aurions évidemment eu envie. Je crains qu'il faille encore une fois attendre 2027 et l'arrivée de Marine Le Pen pour avoir une grande politique de santé. Alors, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. C'est un scrutin public. Je vous laisse rejoindre vos pupitres sur ces amendements de suppression. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 146, exprimé 146, majorité 74, pour 35 contre 111, il n'est pas adopté. Nous sommes maintenant sur des amendements qui sont soumis à une discussion commune. Madame Mélin, le 1650. Merci, Monsieur le Président. Oui, manifestement, la direction de la Sécurité sociale est incapable de comprendre les besoins de santé, qu'elle soit en fonction de la population vieillissante ou les pandémies, et d'intégrer des économies générées par les innovations. Et ce sont nos industries de santé qui payent ce défaut de prévision, mettant ainsi en péril notre souveraineté sanitaire. La mission Borne a eu le mérite de relever les effets délétères de la clause de sauvegarde sur l'outil industriel, notant au passage que celle-ci apparaîtrait plus comme une sanction financière collective que comme un système de régulation. Et les décalages entre les besoins de santé, les montants M et accessoirement Z sont destructeurs. Grâce justement à la mission Borne, le PLFSS prévoit de corriger rétroactivement le montant M pour 2023, mais malheureusement en restant dans des chiffres de 2021 très inférieurs à la réalité en raison de la crise sanitaire. C'est pourquoi nous souhaitons corriger ce montant M à la hausse à un niveau beaucoup plus réaliste de l'activité en raison des besoins de santé de la population. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sur le vote de l'article 4, je suis saisi par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous avons maintenant des amendements identiques. Le 1072, Monsieur Pétavy. Merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement est un amendement qui a été déposé par le groupe de la France Insoumise et qui est soutenu par les écologistes et qui prévoit donc d'abaisser le montant M en corrigeant celui voté donc en LFSS 2023 par le taux d'inflation sur un an tel qu'évalué par l'INSEE en date donc de septembre 2023. La révision du montant M pour 2023, qui tient compte des attentes des industriels du secteur du médicament, ne permettra pas de conquérir un accès égal et durable des patients aux médicaments. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale le confirme. D'une part, les pénuries ne sont pas causées par le prix des médicaments. D'autre part, la négociation entre les pouvoirs publics et les grands laboratoires est structurellement déséquilibrée. Et il est temps donc de changer de dogme en luttant pour la transparence des prix du médicament et l'institution d'une production publique. Merci, Monsieur le député. Le 1195, Madame la Présidente Fiat. Défendu. Madame la rapporteure, sur ces amendements.
Oui, merci. En écoutant M. Pétavi, je regrette qu'il n'ait pas voté à la Commission ce texte, puisqu'il y a des mesures très concrètes pour améliorer sur la pénurie. Je pense à la distribution des médicaments à l'unité en cas de pénurie. Je pense à l'obligation de faire un test d'orientation diagnostique avant prescription d'antibiotiques en cas de pénurie. Ou je pense encore à des amendements qu'on a pu porter et que j'ai pu porter pour donner à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, le pouvoir de police sanitaire pour éviter, enfin pour permettre que sur tout le territoire, il y ait une dispensation homogène des médicaments. Donc je regrette ce vote sur ces avis, comme le ministre l'a dit, certains veulent augmenter le M, d'autres le descendre, le taux M, donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Entre les propositions, comme l'évoquait à l'instant le rapporteur général, qui veulent augmenter le M et ceux qui veulent baisser le M, je propose qu'on en reste à la version initiale proposée par le gouvernement. Et donc, c'est un avis défavorable sur cet amendement. Merci, monsieur Bazin. Non, monsieur Neuder. Oui, non. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, je voudrais simplement corriger un élément de langage, deux éléments de langage. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas là pour proposer un PLFS alternatif. Le rôle des oppositions, c'est de vous passer un certain nombre de propositions que vous êtes libre d'accepter dans nos amendements, en commission ou pas. Voilà, c'est ça le rôle d'une opposition. Et ne demandez pas les mariages improbables. Effectivement, nous n'allons pas effectivement faire le grand écart. D'ailleurs, à ce titre-là, que nous pouvons présenter le PLFSS, parce que si nous l'avions fait, votre PLFSS budgétaire aurait été rejeté avec la motion de rejet de Madame Fiat. Donc ne cherchez pas les coups, parce qu'on peut en donner. Deuxième sujet, non mais au bout d'un moment, on veut bien être gentil, on veut bien discuter de santé avec le ministre du budget, mais on aurait quand même voulu discuter un peu de santé. Pour le coup, c'est quelque chose de positif. Je voudrais simplement corriger aussi l'élément de langage en disant les cadeaux à l'industrie pharmaceutique, c'est quand même, c'est pas des cadeaux à l'industrie pharmaceutique, c'est quelle compétitivité. Je crois qu'à un moment, on est les champions du monde sur le prélèvement obligatoire pour les ménages. On voit la succession, c'est une bête du pouvoir d'achat. On voit aussi les prélèvements obligatoire sur nos entreprises et du coup ça ne baisse leur compétitivité. Donc je crois qu'on ne peut pas en permanence tout critiquer. Je pense que ce qui va effectivement positivement dans l'effort d'améliorer la compétitivité française de nos entreprises pour une relocalisation sanitaire, ça veut dire que sinon nous n'avons rien compris de la crise du Covid et que sinon nous ne tirons pas conséquence de la crise sanitaire du Covid. Nous avons besoin de produire nos propres masques, nous avons besoin de produire nos propres médicaments. Donc tout ce qui va dans ce sens là, je crois qu'il faut qu'unanimement, quelles que soient les couleurs politiques des uns et des autres, on assure notre sécurité sanitaire pour éviter de dépendre de certains pays. Merci, monsieur le député. Je n'ai pas d'autre prise de parole. Nous allons voter sur ces amendements qui ont reçu un avis défavorable de commission gouvernement. C'est un vote à main levée. Le 1650 qui est pour, contre, rejeté. Et les amendements identiques suivants qui est pour, contre, rejeté. L'article 4 fait l'objet d'un scrutin public. Je vous laisse rejoindre vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 140, exprimé 140, majorité 71 pour 110 contre 30, il est adopté. Nous sommes sur l'article additionnel après l'article 4 avec des amendements identiques. Le 720, monsieur Bazin. Oui, merci, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Après le montant M, on évoque le montant Z. Le montant M, s'occuper des médicaments. D'ailleurs, quand certains évoquent les industriels, derrière les industriels, on a des salariés qui travaillent, on a des chercheurs et ils subissent aussi l'inflation. Et si on veut les revaloriser, avoir l'attractivité dans nos territoires et pouvoir reproduire vraiment en France, on ne peut pas ne pas leur donner les moyens de faire face, notamment au contexte inflationniste.
L'article 18.3 de la LFSS pour 2023 prévoyait une fixation d'un montant Z qui, selon les estimations du secteur, allait entraîner un déclenchement de la clause de sauvegarde et donc une contribution des entreprises du secteur à un montant compris entre 60 et 150 millions d'euros. Un tel montant de contribution est insoutenable et injuste pour ces entreprises qui sont principalement composées de TPE-PME. Je tiens à le dire devant nos collègues, notamment de la France Insoumise, sur le secteur des dispositifs médicaux, on est beaucoup sur un maillage dans le territoire, de proximité, et c'est important que la croissance particulière des dispositifs médicaux sur la liste en sus soit prise en compte de manière à accompagner le virage domiciliaire. Et donc on vous propose par cet amendement additionnel de pouvoir réajuster ce montant à 2,35 milliards d'euros au lieu de 2,21 milliards, ce qui permettrait d'une certaine manière de calquer ce qu'on a fait sur le montant M, sur le montant Z, et accompagner aussi tout le secteur du dispositif, des dispositifs médicaux qui en ont besoin. Et si on veut vraiment accompagner dans nos territoires toutes les personnes qui sont à domicile, il faut pouvoir aussi accompagner ceux qui les aident, et notamment ces entreprises. Merci, monsieur le député. Je vous informe que sur le vote de la première partie du PLFSS, je suis saisi par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 728, monsieur Neuder. Oui, monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure générale, effectivement, comme vient de le dire Thibault Bazin, et je ne reprendrai pas les propos, je souscris. Je voudrais simplement profiter de ce temps de parole, puisque nous n'irons pas jusqu'à l'article 29, et je voudrais répondre à monsieur Aluzet concernant effectivement l'impact environnemental sur les dispositifs et notamment sur le recyclage des dispositifs médicaux. Et je répondrai également au ministre du budget qui veut des propositions alternatives. Eh bien, il a fallu beaucoup vous les répéter, ces propositions alternatives, pour que vous les entendiez, puisque effectivement, cette réduction de l'impact environnemental sur les dispositifs médicaux, l'Europe vous permet de le faire, monsieur le ministre, si vous m'écoutez, puisque depuis 2017, le règlement européen permet à chaque pays de pouvoir effectivement réutiliser ces dispositifs médicaux qui ont un impact positif sur naturellement économique et un impact environnemental. Il a fallu quand même fortement solliciter ce gouvernement avec plusieurs courriers à vos collègues ministres, le ministre Braun, le ministre Béchu, faire une proposition de loi résolutive en avril 2023 pour que finalement vous daigniez, par l'article 29, faire une expérimentation pour la réutilisation des dispositifs médicaux. Si on veut avoir un impact économique et environnemental, eh bien je crois que c'est une très bonne disposition et on pourrait aller au-delà de cette expérimentation, le généraliser en trouvant un prix aussi alternatif, puisque c'est le mot de cette séance. En tout cas, je crois que réutiliser les dispositifs médicaux, quand on sait que le bilan carbone représente 8% dans le secteur de la santé et 60% à l'hôpital, c'est une bonne mesure. Donc vous voyez, il y a des bonnes propositions alternatives. Vous auriez pu la retenir dans le PLFSS 2023. Vous avez plutôt préféré ne pas la retenir en commission des affaires sociales pour écrire l'article 29. Mais nous sommes de bon augure. Si l'article 29 était arrivé dans l'hémicycle, nous l'aurions voté parce que c'est bon pour l'économie de la santé, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour nos patients. Merci. Je ne sais pas, M. Dharréville, si c'est bon pour le moral, mais le 1679 n'est pas défendu. J'ai une demande de prise de parole, M. Clouet. Je vous ai entendu, M. Dharréville. Il n'y a pas l'avis du rapporteur. Ah, pardon. Voilà. Madame la rapporteure, M. Dharréville m'a troublé. Madame la rapporteure, puis le ministre, ensuite oui. M. Clouet, pardon. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Il me semble que l'équilibre trouvé pour l'année 2023 sur le montant Z me paraît équilibré, donc que l'amendement... Enfin, je suis défavorable à votre amendement, mais je tiens à vous dire tout de suite que nous aurons la discussion après l'article 11, notamment sur vos amendements et de certains d'autres qui seront favorables pour l'année 2024. Dans le fait de fixer le taux d'appel de la contribution sur les dispositifs médicaux à 90%. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Les dispositifs médicaux font l'objet d'une clause de sauvegarde. Et ça s'inscrit dans notre dispositif général de régulation des maîtrises de dépenses de santé. Cette clause n'a jamais été activée. Comme vous le rappeliez, en 2023, elle ne devait pas non plus l'être, mais les dépenses ont été finalement plus importantes que prévu parce que les baisses de prix et de volume n'ont pas été au rendez-vous. Et donc, il me paraît normal qu'elle soit
activer, comme je le disais, la question de la maîtrise de nos dépenses de santé me semble extrêmement, de produits de santé extrêmement important. Et ça me permet, Monsieur Noether, de redire quand même, n'arrêtez pas de souligner l'absence d'Aurélien Rousseau, du ministre de la Santé. Il y a trois parties. La partie 1, c'est l'équilibre. La partie 2, c'est les recettes. La partie 3, c'est les dépenses. Mais c'est vrai que vous convoquez, à travers des fois vos amendements, des sujets qui relèvent pleinement de discussions sur la politique de santé et de prévention dans la partie 1, là où ça aurait pu être discuté dans les autres parties. Avis défavorable. Merci. Je prends deux orateurs, M. Clouet et Mme Melun. M. Clouet, puis Mme Melun. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai entendu qu'on allait aller jusqu'à l'article 11, donc c'est évidemment un engagement qui étonnera beaucoup de personnes dans cet hémicycle. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Moi, je m'en félicite. Du coup, je ne sais pas si Matignon est au courant. Peut-être qu'il y a un échange à se faire, une information peut-être à se communiquer. Voilà, si vous l'annulez le taxi, on vous fait le truc, on rembourse. Mais donc, on ira jusqu'à l'article 11. Ça veut dire qu'il n'y aura sans doute pas de 49.3 dans les minutes qui viennent. Donc, je remercie Madame la rapporteure pour cette annonce très originale. On ne s'y attendait pas. Mais en revanche, j'en profite pour témoigner notre solidarité, notre amitié au président du Conseil d'orientation des retraites qui vient de subir un premier 49.3 puisque Madame Borne, il y a une heure et demie, vient de le virer manu militari pour crime de lèse-majesté, à savoir avoir dit la vérité sur vos PLFSS rectificatifs, la manière dont vous intitulez une réforme des retraites qui a volé 2 ans à toutes les Françaises et tous les Français, pour le simple fait d'avoir dit la vérité, à savoir que ça ne rapportait rien, que ça n'était pas utile budgétairement, que c'était une manœuvre cruelle et inégalitaire, eh bien, vous l'avez viré. Voilà la manière dont la vérité est traitée en Macronie. Celles et ceux qui la portent et qui la disent sont renvoyés. Madame Melun. Oui, merci, Monsieur le Président. Je viens en soutien de ces deux amendements au motif que, effectivement, beaucoup d'entreprises des dispositifs médicaux sont des petites et moyennes entreprises. Il faut donc absolument les soutenir et cette clause de sauvegarde, dans son calcul, est quelque chose qui est une sorte d'impôt déguisé, un deuxième impôt qui viendrait par derrière. Concernant les ETI, les grosses entreprises, certaines ont été celles qui ont permis de faire face à la grande crise Covid. Car sans dispositifs médicaux, et particulièrement tous les dispositifs médicaux qui ont eu besoin de plastique pour pouvoir confectionner à la fois certains médicaments et surtout la totalité des vaccins, ce sont eux qui ont permis cette magnifique campagne pour la vaccination, pour autant que cela ait eu le résultat escompté. Alors donc, on ne peut pas se permettre, par des dispositifs particuliers, de venir obérer toutes ces entreprises, ce d'autant plus que nous ne sommes pas du tout à la merci d'une autre pandémie. Merci, Madame la députée. Nous allons voter. C'est un vote à main levée sur ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Et je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du PLFSS, c'est-à-dire en scrutin public. Pardon, je vous laisse regagner vos pupitres. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 144, exprimé 143, majorité 72 pour 74 contre 69. Il est adopté et je suspends pour 5 minutes.
Bonsoir à tous. La séance est reprise. Nous abordons la deuxième partie du projet de loi concernant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre de la sécurité sociale pour l'exercice 2024. Et la parole est à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. L'adoption du projet de loi de financement pour la sécurité sociale est essentielle pour notre pays. C'est la capacité pour beaucoup de nos concitoyens de se soigner. C'est le fonctionnement de nos hôpitaux et le salaire des soignants qui y travaillent. C'est l'accompagnement des jeunes enfants et des familles. C'est le soutien aux personnes en situation de handicap et aux plus fragiles. C'est l'aide aux plus démunis. Ce sont les retraites de nos aînés. C'est l'autonomie des personnes âgées. Le PLFSS est bien plus qu'un budget. C'est de notre modèle social dont il est question. C'est chaque année l'occasion de le moderniser, de l'améliorer, de l'adapter aux attentes de nos concitoyens. Ce PLFSS, c'est près de 3 milliards d'euros supplémentaires en 2023 pour l'objectif national d'assurance maladie, l'ONDAM. C'est une revalorisation supérieure à l'inflation pour l'année prochaine. Ce PLFSS, c'est un investissement de plus de 640 milliards d'euros en 2024. Comme l'année dernière, il consacre des moyens croissants à notre sécurité sociale. Nous accentuons nos actions sur la prévention, nous faisons évoluer le financement de l'hôpital, nous ouvrons la voie à une réforme du financement des EHPAD, nous renforçons la lutte contre la fraude. Sur ce texte si important pour le quotidien des Français, une fois de plus, comme toujours, nous avons tenté de trouver des points d'accord. Les ministres ont échangé en amont avec tous les groupes parlementaires. Une fois de plus, comme toujours, nous avons fait évoluer notre texte et accepté des amendements de la majorité comme des oppositions. Sur cette deuxième partie du PLFSS consacrée aux recettes, des amendements permettront d'enrichir les dispositifs de lutte contre la fraude, d'améliorer, et c'est important, les droits des travailleurs indépendants, de simplifier les démarches d'affiliation et de paiement des cotisations des agriculteurs, de tirer les conséquences de la réforme des lycées professionnels quant au régime social des allocations versées aux lycéens, ou de sécuriser pour les industriels le niveau des contributions pharmaceutiques. Pourtant, malgré nos ouvertures, une fois de plus, l'usage selon lequel les groupes d'opposition refusent de voter un budget, quel qu'il soit, a prévalu. Nous l'avons encore mesuré en commission. Si cette deuxième partie du PLFSS n'est pas adoptée, nous ne pourrons pas examiner sa troisième partie, c'est-à-dire les mesures concrètes de protection sociale pour les Français. Si cette deuxième partie du PLFSS n'est pas adoptée, nous priverons tout notre modèle social de ses ressources. Avec mon gouvernement, je m'y refuse. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Le texte sur lequel la Première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur le texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 18h30, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. La séance est levée.